Bonjour, c'est le seul truc que j'avais oublié de préparer. Bonjour, ça va <laughs> Faut toujours qu'il y ait un truc qui manque. Voilà, c'était le micro ce matin. Bon, preuve que, preuve que c'est beaucoup trop tôt. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça a l'air d'être déjà chaud dans le chat sur, sur des magnifiques discussions. Euh, bonjour Yania, bonjour Boozer, bienvenue à toi. Salut Oncle Fernand, salut Jean et Seb. Bonjour Marali, bienvenue à toi. Salut Clémence, salut Neskia. Nesca, pardon. Salut cul, salut Urium, Méga, salut euh, Clément. Je t'ai déjà dit bonjour. Euh, salut Crazy Toaster, salut Arcani, salut Coralie. Euh, entré en scène. Eh oui. <laughs> bah oui, on fait ce qu'on peut. Hein. Il est tôt, il est tôt. On fait, on fait, on fait ce qu'on peut. Vous avez l'air d'être plus réveillé que moi. Salut Fifrelin, 666, salut GMX, salut Statia, et bienvenue à celles et ceux qui vont arriver euh, ce matin. Euh, bonjour, j'espère que ça va bien, que vous êtes bien réveillés, que... En tout cas, merci de... <laughs> Je sais pas si vous êtes réveillés spécialement pour moi, mais en tout cas, merci d'être réveillé et d'être là, au moins. Euh, j'espère que ça va. Euh, second numéro euh, de... Euh, oui, oui, second. Euh, salut Erwan. Euh, de la revue de presse média que j'avais commencé à instaurer il y a... Euh, il y a pas si longtemps hein, en avril dernier. Euh, bof je suis toujours dans mon lit. Bah écoute, t'as bien raison. T'as bien raison. Parce que c'est n'est-ce pas là le meilleur endroit d'un appartement en vrai. Dernier mot autorisé par l'automode résume bien le débat du chat. Ouais, ouais. Ouais, ouais mais c'est de ma faute aussi. C'est de ma faute aussi, c'est de ça dont, dont on a parlé hier. Euh, du coup j'avais raté le début. <laughs> c'est ce gentil. Mais euh, non, 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 non. Euh, t'inquiète, t'inquiète. On vient juste de commencer. Enfin on n'a même pas... Euh, on n'a même pas comment dire. Euh, J'ai même pas dit le sommaire. Mais même si je l'ai si dit sur Twitter. Euh, donc seconde, euh, si vous si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, voilà, sachez que euh, il y a l'automode autorise le route. Putain, et bah oui, même que... Non Ah Attendez, que se passe-t-il Pourquoi les bruitages ne fonctionnent pas Au lieu du bureau non. Pourquoi ça ne fonctionne pas Petit. Vous avez entendu Faut comment ça c'est que moi je l'entends pas Vous les avez, bon très bien. Eh bah ben, écoutez, euh... Attendez, c'est bizarre ça quand même. Non, non, ça s'est pas branché. Attendez. Propriété. Ah ben non, c'est bon, c'est le... C'est le bon, c'est le bon périphérique. Et ben je ne sais pas écoutez, De toute façon, normalement, on n'en aura pas forcément besoin. Euh, voilà. <laughs> ça va poser beaucoup de rappelle les heures des puissances de de la chasse, de la chasse du chien, il y a 40 minutes. Merci Clémence. B bonne bonne discussion ce matin. Alors, voilà. Si vous avez si vous si vous avez, si c'est votre première fois ici, c'est pas tout le temps comme ça. Ah. Merci Widonfi pour ton euh, pour ton abo, pour ton prime comme on dit aux États-Unis, des Amériques. Euh, donc euh, re revenons à nos moutons, qui est cette revue de presse média que j'avais commencé à instaurer il y a quelques mois de cela, effectivement, euh, en avril dernier. C'était, ouais, c'était quelque chose que j'avais envie de faire parce que je suis, euh, je, suis je suis vraiment à euh, salut Pixel, salut bon C'est vraiment quelque chose qui, c'est un sujet qui me passionne. Une revue, le, le sujet, euh, c'est pas tout le temps comme ça. C'est moi je mentir. Eh, c'est pas de ma faute, hein. hein. Enfin, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais euh, non, venez, on venez, on est, on s'amuse bien. Euh, et donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Et je me dis, vu la multiplication effectivement, bah voilà, des revues de presse, celle de, celle du UU, celle de Nathalie, euh, euh, et d'autres, enfin euh, celle de, de politiques, euh, de Samuel Etienne bien sûr. Euh, <laughs> je me suis dit, pourquoi pas me lancer justement dans ce, dans ce thème qui m'intéresse tant. Euh, et voilà. Et donc j'ai lancé ça en avril dernier. Il euh, y en a pas eu. Si, on a eu une autre un peu euh, faite à l'arrache euh, pendant l'été. Euh, sur un thème euh, bien précis qui était euh, le traitement euh, de euh, la tenniswoman qui était à Roland Garros, je me rappelle plus comment elle s'appelle, une japonaise Naomi Osaka je crois que c'est ça, c'est ça le c'était ça le, son nom euh, sur, son traitement, sur le traitement des médias euh, concernant euh, son refus de participer au euh, aux conférences de presse post-match euh, post-match pardon euh, euh, à cause de santé euh, c'est non c'est un coussin que Polly fait la tronche poli fait la tronche dans son coin à Boudin euh, c'est je suis même pas sûr que ce soit un coussin je pense que c'est même mon écharpe euh, voilà tout simplement euh, voilà donc euh, c'est un sujet qui me voilà donc euh, traitement des médias par rapport justement à sa, à sa santé mentale sa dépression euh, qui faisait qu'elle avait pas envie de participer à ça et donc euh, c'est un sujet qui me tenait à coeur J'ai fait ça pendant l'été viteuf euh, fait la tronche parce que je m'occupe pas d'elle, voilà tout simplement. Polly, Polly, fait la tronche parce que je m'occupe pas d'elle. Et quand quand je, quand je suis pas assis euh, à, où le moment est propice à faire des câlins, et ben bah, elle, euh, et bah, elle et bah boude. Voilà, poli boude. Voilà. Et, euh, et donc voilà, c'est trop presque ce qui revient aujourd'hui parce que euh, l'actu, l'actu chaud dans l'actu, voilà comme on dit, euh, comme on dit euh, dans les chaînes d'info un garde. Voilà, non, va venir, elle va revenir, vous inquiétez pas, elle va m'entendre, elle va grimper sur le bureau. Euh, et donc, voilà, je me suis, je me suis dit pourquoi pas euh, non pas relancer parce que j'avais toujours envie en fait de, de le faire, c'est juste que je. Voilà, le, pas forcément l'envie, pas forcément les bons sujets, etc. Et euh, on avait parlé des bails de rage-tour, on s'est dit ouais, mais c'était pas, euh, pas spécifiquement euh, média, tu vois, c'était euh, vraiment juste j'avais envie d'en parler de ce truc-là. Euh, et je, on l'avait fait un peu à part. Mais euh, oui effectivement on a parlé de ça euh, Je sais plus c'était quand C'était euh, pendant l'été aussi je crois En lisant l'article de Mediapart à ce sujet Et euh, comme vous pouvez le voir euh, Les conséquences euh, ont été euh, Tonitruantes puisque euh, le Hellfest euh, Fait son warm-up avec Tagada Jones Et que euh, Et que ils vont faire Un, euh, un concert à Paris avec, euh, avec L'Ofofora euh, je ne sais plus quand euh, Donc voilà La cancel culture euh, A encore frappé n'est-ce pas on va parler du changement des lignes éditaux du Buffalo Grill. Putain, oui, j'ai vu ça. Euh, J'ose même pas regarder les commentaires des gens. Parce que, oui, effectivement, si vous n'êtes pas au courant, Buffalo Grill euh, abandonne toute l'esthétique cow-boy indien pour se recentrer un peu plus sur une, sur une, une imagerie à très américaine barbecue. Et, euh, et j'imagine que ça va gueuler en termes de. Ah, c'est que la campagne de culture, blablabla. Euh, voilà, je préfère, je, préfère même pas, euh, je préfère même pas perdre mon temps à. Ah ça. Euh... Ah oui non c'est une bonne chose. Hein. Enfin moi personnellement je un je trouve c'est une bonne chose et au pire je m'en fous tu vois. <laughs> mais il euh, y en a tu vois c'est comme le changement de nom de Uncle Ben's, tu vois c'est il y en a qui quoi la consaculture mais euh, mais mon riz euh, mon riz en sachet euh, en tout cas il n'aura plus la même saveur alors que et finalement ils ont changé de nom et personne s'en est aperçu tu vois <laughs> donc euh, c'est pas grave. J'ai répondu d'accord, j'irai voir après euh, Coralie. Euh, et donc, donc, envie de presse média quand même, parce que c'est ça qui nous intéresse ce matin. Euh, le sommaire, si jamais vous ne l'avez pas vu passer. Alors attendez, je vais essayer de jongler. Voilà. Donc au sommaire, voilà, donc un article sur euh, Carl Zero. voilà, parce que sachez-le, Carl Zero a une actu. Carl a une actu, il relance un magazine, figurez-vous, euh, qui s'appelle L'Envers des Affaires. Et apparemment, euh, l'ami Carl Zero, donc euh, peut-être que vous, euh, vous vous rappelez, vous vous rappelez euh, Carl Zero, le présentateur du vrai journal sur canal, qui déjà s'était fait euh, bah voilà justement je suis en train de, de l'expliquer, animateur du vrai journal. Euh, dans les années 2000, euh, sur Canal, euh, qui était un, un magazine d'actualité euh, avec, des, avec des sketchs, euh, avec des, des plutôt bons reportages de fond, euh, voilà, euh, qui, était, mais, euh, qui, était, qui était pas de, de son de son de son fait, qui était plutôt de la, de la, du fait de l'agence Capa avec qui il travaillait. Euh, et euh, l'émission s'est arrêtée parce que un jour, il a reçu une lettre de euh, de co comment il s'appelait de de Patrice Allègre je crois, je c'est crois que c'est ça comme ça, ça qui s'appelait, un mec en prison euh, pour pédocriminalité justement et qui lui dévoilait enfin voilà toute une espèce de euh, complot euh, pédocriminel euh, qui avait euh, mais voilà sans, sans aucune autre preuve que cette lettre et euh, ça lui a un peu coûté sa place et euh, visiblement euh, c'est quelque euh, euh, visiblement c'est quelque chose euh, qui, le, qui le passionne encore enfin qui, qui semble le tarauder euh, puisqu'il a lancé euh, un magazine voire même un documentaire euh, publié sur Youtube sur le sujet, donc on va voir apparemment euh, c'est un peu enfin euh, voilà est, il est toujours sur, sur ce sujet là et vous verrez qu'il a pas trop quitté le, le, il a pas trop lâché l'affaire allègre il lui a valu donc sa place. Euh, ensuite, alors attendez. Ah oui, il faut que je. Et eh oui, je. Hop, ensuite. Euh, les ménages d'une star. Euh, voilà, les ménages d'une des stars de BFM TV. Alors, qu'est-ce qu'un ménage C'est euh, quand tu bosses dans un média. Euh, quand tu bosses. Voilà, exactement. Bah, Clémence, euh, Clémence est en, en train d'expliquer. C'est quand tu bosses dans un média que tu es, euh, es censé être un peu impartial, on va dire. Euh, voilà. Euh, que, que, que ton entreprise vend un peu voilà des des comment dire des positions neutres des choses comme ça mais que en même temps pour ton propre compte et eh bah ben, tu vas faire euh, tu, tu tu vas faire voilà des, des petits euh, des voilà des petites conférences euh, payées par des par, par des marques euh, pour dire du bien j'ai y arriver pardon euh, voilà, faire un peu de la pub quoi, voilà, de la pub en interne, de ce genre de choses. Et oui, effectivement, Julien Chiez euh, voilà, enfin Julien Chiez fait un peu la même chose. C'est pour ça que genre dans ses vidéos il se mouille pas trop. Parce que euh, bah écoute, euh, écoutez, s'il il peut... Il, comment dire Yeah. s'il est, euh, si, si est, uh, si est trop critique et eh ben peut-être qu'il qu perdra son, son job voilà peut-être qu'il perdra son, son autre job voilà mon il... il y en a plein qui en font euh, je crois qu'on m'avait dit Denis Brogniard en fait euh, il en avait fait pour euh, j'ai un collègue dans son ancienne boîte boîte Denis Brogniard l'avait fait à Disneyland figurez-vous dans le dans le ranch euh, David Crockett mais il euh, y en a plein, je crois que même Jamie de ses Pas Sorcier le fait, le Jamie Grumo en fait. Euh, Puisqu'un jour je l'avais croisé, quand j'habitais à Accra, je l'avais croisé. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il foutait là et, euh, et en fait, il faisait un ménage pour, pour une, 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 une compagnie d'assurance, il me semble. Euh, Lance Piquet. Lance Piquet, ça me dit quelque chose. Et c'est une chanteuse C'est une chanteuse, Lance Piquet euh, C'est marrant, j'aurais dit quelqu'un plutôt du Medef. <laughs> je sais pas pourquoi. Non, je confonds avec Laurence Parizeau. Jamil bosse avec Webedia, on le rappelle, hein, donc euh, donc euh, bon, euh, les chiens font pas des chiens. Hein. Et euh, troisième article euh, qui sera sans doute le gros morceau et euh, alors je vais pas dire le plus, enfin si pour moi c'est ce celui qui, qui m'intéresse le plus, c'est comment Vincent Bolloré. Euh, utilise son empire médiatique euh, pour peser sur la présidentielle à venir. Euh, voilà, bah vous n'êtes pas censé savoir que euh, Bolloré euh, rachète un peu tout et n'importe quoi en ce moment. Enfin, pas forcément n'importe quoi, vraiment des trucs assez stratégiques. Euh, comme, voilà, il possède ses news. Euh, enfin, il a des grosses. Enfin, C'est l'actionnaire majoritaire du groupe Canal. Euh, il est devenu l'actionnaire majoritaire de Lagardère et donc, par conséquent. Euh, de 1 euh, si je ne dis pas de bêtises, et, euh, et voilà, et, et d'autres choses dont on n'a pas forcément, euh, dont on n'a pas forcément euh, conscience, et donc voilà, une, une enquête de, euh, de Raphaël Baquet et d'Ariane Chemin, une très longue enquête euh, qu'on va lire, qui me semble que je pense euh, va être assez zinzin et assez passionnante et peut-être un peu déprimante aussi. Euh, Europe 1 JDD et Paris Match. Voilà, effectivement, effectivement, euh, c'est. C'est euh, ouais, tout le groupe Lagardère. Et donc euh, on verra dans cette enquête comment euh, notamment euh, via Zemmour, hein, euh, je pense que vous n'êtes pas euh, sans savoir qu'il qu est derrière. Euh, comment il, est, esp il espère peser euh, sur euh, la présidentielle. Euh, voilà, j'espère... Euh, j'ai un bed, euh, mais honor, je sais pas, j'espère qu'il est pas trop fort, parce que moi j'ai pas de retour. Euh, voilà. N'hésitez pas à me dire si jamais c'est... Euh, mais de toute façon pendant la relecture des articles il disparaîtra. Voilà pour le euh, sommaire euh, Qui sera... Euh, passionnant à n'en pas douter. Lance Piquet prend 36 du JT de France 3 qui avait carrément utilisé... Exact, je me rappelle, une, euh, un faux JT pour une interview d'une patron du Bois Pharaon enfin, qui avait payé pour ça, exact, je me rappelle. Oui. Et d'ailleurs on la voit plus elle justement. Elle, elle. Groupe TF1 qui a fait des faux JT pour le crayonner à la dictature turque, man, on a, putain. Et voilà, donc euh, en tout cas ça, voilà, ce, ce genre de choses arrive très fréquemment. C'est pas euh, forcément mis, euh, comment dire, en, en évidence, c'est pas forcément, euh, on en parle pas publiquement parce que c'est des choses euh, voilà très internes mais des fois ça se sait et, euh, et voilà ça, ça donne des choses comme ça et tricarde depuis d'accord ah bah c'est étonnant que elle soit tricarde et pas d'autres tu vois ce que je veux dire c'est euh, c'est je vais pas dire que c'est bien ce qu'elle a fait mais euh, mais voilà euh, voilà, salut. En tout cas, salut, salut celles et salut à ceux qui viennent d'arriver. Euh, bienvenue, bon matin, euh, bon café, bon thé, bon je ne sais pas quoi ou rien si vous n'avez rien. Je rappelle donc voilà, ouais, je, je résume un peu le sommaire. Voilà donc euh, donc premier article sur euh, la nouvelle carrière de Carzero qui est patron d'un magazine maintenant et qui est un peu Focus sur euh, un, une, un, un complot pédocriminel qui, qui existerait mais dont il n'apporte... Pas vraiment de preuve, un article de arrêt sur image. Euh, ensuite, un article de Mediapart sur les ménages d'une des stars euh, de BFM TV. Voilà euh, l'animateur de la matinale qui euh, prodigue des conseils et fait des conférences pour des marques, des patrons, etc. Des, des grosses entreprises. Et le dernier, euh, le dernier article. Merde, attendez. Hop, 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 hop. Reviens par là, reviens par là, reviens par là. J'ai pas été assez rapide. Voilà merci. Et euh, Une enquête de, euh, une très longue enquête de, euh, du monde euh, sur, euh, sur Bolloré et comment il compte euh, peser sur la présidentielle avec son, anti avec son empire médiatique. Euh, salut Ola, Ola visu, pardon, bienvenue à toi, puisque c'est ta première fois ici. Euh. C'est un double standard euh, misogyne, non impossible. Ah bah ouais. Et oui, forcément. C'est comme euh, je voyais récemment euh, des, des vieilles paroles d'Oralsan où tout le monde disait ah Masterclass, etc. Mais des trucs violemment misogyne et homophobes, voire même transphobes. Et, euh, et je me disais, euh, un mec comme ça sortirait... Enfin, euh, un mec, un rappeur racisé sortirait ça, il, aurait, il aurait déjà pris euh, 37 procès euh, sur le dos. Euh, voilà. Et bon, c'est... Voilà, c'est... Euh... Mais non, c'est les woke et la cancel culture. Voilà. Et... C'est location. Euh, Tiens, je croyais que t'étais étais pas là avant midi. Euh, et ben en tout cas, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Euh, si, euh, petite précision, si jamais t'as une fenêtre. Ah, non, 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 tais-toi. C'est bon. Euh, pas toi, Clémence. Hein. <laughs> euh, si tu as une autre euh, lecture du monde et en cours sur l'article, tu peux recalculer recalcul Re sur l'article. Bollerais tranquille. Il faut pas que tu hésites. Euh... Oui, d'accord, t'inquiète, euh, ça marche. Euh, oui, parce qu'il faut il faut préciser que euh, c'est Clémence qui me prête son... Euh, voilà, full disclosure, c'est Clémence qui me prête son compte euh, Le Monde pour pouvoir lire cet article. Les deux autres comptes, Mediapart et Arrêt sur image, sont les miens. On va passer le petit déjeuner et le déjeuner ensemble. Alors, j'espère qu'on ne va pas être aussi long que ça. Mais en tout cas, voilà, j'espère que, que ça va vous plaire et que ça va vous passionner. Et euh, je vous propose qu'on y aille directement parce qu'on euh, a beaucoup de lectures à faire. Voilà, alors non, pas Bolloré, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Euh, et voilà. Euh, alors. Voilà, alors. 15-0. Donc, je ne vais pas vous résumer. J'imagine que l'article de Paul Aveline va le faire. Je l'avais fait à 15h. Moi, j'espère que ça ira. Y... Oh oui, je, je pense qu'on sera largement euh, arrêté avant 15h. Écoute, vos abonnements sont... Mes abonnements sont vos abonnements. On est de gauche. Et bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Clémence, euh, on commence euh, par l'article sur Carl Zero. Voilà, j'avais hésité avec un article sur Thomas Soto. Voilà, Thomas Soto, le euh, journaliste de France 2, qui a euh, écarté euh, des émissions politiques pour la présidentielle car il en couple avec la dircom de Jean Castex et donc il voit ça un peu comme un scandale etc et que machin euh, mais bon euh, est-ce qu'il est qu avait ouvert un peu sa bouche quand euh, c'est arrivé à des femmes journalistes comme par exemple Audrey Pulvar je suis pas sûr et euh, je, je m'étais rappelé euh, de cet article sur CarZero que j'avais euh, vu il y a quelques semaines et euh, qui m'avait un peu interpellé et donc je me suis dit bah en fait c'est une bonne occasion de le placer là euh, Thomas Sodo est sans doute bien moins conspi certes J'avoue que euh, l'histoire le, le, de euh, l'histoire des, des de Carl Zéro et, et du fait surtout qu'il est qu'il pas lâché l'affaire depuis tout ce temps, ça m'a un peu intrigué. Donc on va lire ceci. Euh, je suis déçu mais pas surpris. Je pensais que pas que Soto était, était si con. Euh, voilà. Euh, allez c'est parti. Complot et pédocriminalité pardon. Karl Zero en roue libre. Euh, des affaires. L'envers des affaires. C'est le nom du nouveau magazine de Karl Zero. Dans deux, euh, de Car Zéro. dans deux affaires emblématiques, celle du meurtrier Nordal Lelandais et du tueur en série Michel Fourniret, Zéro met en cause de mystérieux réseaux, sans jamais apporter de preuves. Pas plus dans son magazine que dans son documentaire publié sur YouTube. C'est étonnant que Zéro soit pas chez Bolloré. Et peut-être trop. Euh, ouais, c'est vrai. Peut-être peut que lui, il veut, il veut trop. Euh, il veut être euh, indépendant et justement jouer là-dessus pour euh, pour garder en crédibilité, tu vois. Thomas Soto a Antoine débuté sur Calajé. Bon, il y a plein de gens euh, qui avaient débuté sur, euh, sur, des, sur des endroits où on ne les attendait pas. C'est comme Marie Drucker, euh, je ne sais pas si a fait toujours le JT. Marie Drucker avait présenté une émission pour les ados avec Jérôme Commandeur, figurez-vous. qui s'appelait rinsta Noir et qui était une très bonne émission et qui, qui s'était trop vite arrêtée. Salut. Salut Samy, bienvenue à toi. Vous savez que la plupart des choses qui se passent, qui arrivent, ne sortent pas. Face à un Pascal Pro très circonspect, il, est, il a quand même fait sa promo chez Pascal Pro. Hein. Euh, le 4 mai 2021, le ton est donné par Carl Zero. Invité pour le lancement de son nouveau magazine consacré aux faits divers, L'envers des affaires, l'ancien pilier de Canal ⁇ entend ouvrir les yeux des téléspectateurs sur les personnalités de Nordal Lelandais. Et Michel fournier À ces magazines, trois <laughs> numéros à date. Ah, et ces trois numéros, d'accord, je... il en a déjà trois numéros, il... je pensais qu'il venait juste de sortir. Euh... S'ajoute un documentaire 1 sur 5, diffusé sur YouTube et consacré à la, pédé... à la pédocriminalité en France. Le cheval de bataille de Carl Que ce soit sur papier ou sur YouTube, les thèses de Carl se résument en un mantra. On ne vous dit pas tout. Le 4 mai, donc, il est invité dans l'heure des pros, l'émission quotidienne de Pascal Pro diffusée sur CNews. La même semaine, s'est ouvert le procès de Nordal Lelandais dans l'affaire qui concerne la mort du caporal Arthur Noyer, assassiné dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. A l'issue de ce procès, Nordal Lelandais est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il est toujours en attente de procès pour le meurtre de Maëlys, fillette de 8 ans, enlevé puis tué pendant un mariage en août 2017. Salut l'ami, euh, l'ami Moled. Bonjour à tous, il fait beau. Bah écoute, on a. <laughs> euh, Qu'est-ce que c'est que ça euh, Non, il m'a, il m'a déclenché Google. Je sais pas pourquoi. Euh, écoute, euh, on va pas forcément parler de sujets euh, joyeux, mais en tout cas, bienvenue à tous. Salut super Phoenix. Tu m'attrapes les pieds, y a pas de problème, t'inquiète. Pascal Pro mange à tous les ateliers. Bah oui. Tant que, tant que ça fait parler de lui. Face à Pro, Zéro met tout de suite les pieds dans le plat. Concernant Maïlis, ça ressemble plutôt à une commande. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas son truc, les petites filles, si j'ose dire. En fait, il y a une histoire derrière. Derrière l'histoire. En face de lui, Pascal Pro, ce monde gêné et l'appel à la retenue. <laughs> c'est incroyable ça. Il faut faire attention quand même à ce que nous disons à la famille de Maëlis qui nous écoute. Mais Zéro persiste et signe si je vous dis ça, c'est qu'on a des informations. Selon lui, il y a quelque chose derrière l'enlèvement de Maëlys qu'il vaudrait mieux que l'opinion publique ne comprenne pas. Il s'agit de ce qu'on appelle une commande. Interpellé par les autres invités sur les auteurs de cette commande, Zéro explique on est dans un univers où les limites sont très floues entre grand banditisme, ce qu'on peut supposer être l'univers de la drogue des gens qui aiment consommer les enfants comme on n'en parle pas à la télé j'en parle dans mon journal d'accord euh, bon il y a un article enfin euh, il y a eu un extrait de ces, pro, de ces news mais euh, bon je pense que je pense qu'on a suffisamment à lire pour ça pour un peu, plutôt que s'imposer ça euh, grosse l'affaire Yann Pia je me rappelle pas de ça l'affaire Yann Pia Carnero est toujours chauve, bah ouais c'est sûr il va, il va pas gagner des cheveux hein <laughs> Il a peur de vieillir surtout, c'est ça qui, qui m'interpelle. Les jours suivants, Zero est invité chez Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste". Alors, tu vois, il est pas, il est pas, euh, il est pas comment dire, euh, employé de Bolloré, mais il y passe quand même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. DMC dead pour l'extrait. Oui, bon, tu penses Ouais, ouais, je sais pas. Les jours suivants, Zero est invité chez Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste". Le 7 mai, il y juge probable euh, que Nordal Lelandais ait eu des complices. Il pointe une autre théorie. Les scellés de l'affaire les, les pardon, auraient volontairement été détruits pour faire disparaître des preuves. Le 21 septembre 2017, un hangar de la gendarmerie de Grenoble est en effet incendié. Rapidement, le procureur de la République explique que des scellés de l'affaire maélis ont bel et bien été détruits par le feu, mais il juges juge secondaire. Il s'agit d'un tout petit nombre de scellés. Ces scellés étaient tout à fait secondaires et ne présentaient pas d'intérêt majeur. Les éléments du dossier maélis ne sont pas là, heureusement d'ailleurs, Notamment le véhicule mis en cause. Tous les scellés importants sont envoyés dans les labos. Selon Cart Zero, pourtant, les scellés de l'affaire Le landais ont sont disparus. C'est un fait. Sur le plateau, on trouve également Oli Pori Santoro, voire plus bas. Euh, donc on y reviendra tout à l'heure. Journaliste pour l'enfer des affaires, donc qui est le magazine de Cart Zero, il appuie la thèse de Zero. Je pense savoir de quoi il retourne. Je vous inviterai à le découvrir très bientôt. Bouquin, alors, alors c'était quoi l'affaire euh, Yann Pia. Euh, le bouquin d'un journaliste du Canard enchaîné qui accusait sans nommer euh, François Léotard et Jean-Claude Godin. Un nom de code encorné et trottinette. <laughs> enfin, bon. Ils accusaient de quoi Genre de. Pareil, de pédocriminalité, des choses comme ça Bon, après, on se sait, des mecs pédos euh, qui se lient euh, avec des gamines, c'est Weinstein. Euh, ouais, mais c'est pas. Enfin. Euh, je, je sais pas si c'est pareil, tu vois, il n'y a pas de commande, etc. C'est c'est juste, juste entre guillemets euh, des mecs qui se croient tout permis, tout puissant euh, et qui euh, utilisent leur, leur, leur pouvoir euh, pour, euh, pour impressionner voilà, des, des femmes voire des, voire des gamines tout simplement euh, et, et, leur, et leur faire avancer, leur faire des avances enfin euh, leur, leur, pro leur, leur promettre des carrières etc là là on parle vraiment d'un tout autre, tout autre chose je pense c'est pas du tout le même délire voilà il n'y a pas de complot tout à fait de l'assassinat de la députée Yann Pia, d'accord. Ok, je savais pas. Ok, je ne connaissais, je connaissais pas cette affaire. A l'époque, l'incendie avait été revendiqué par un groupe anarchiste à qui serait attribué au moins deux autres incendies volontaires contre des bâtiments publics, comme le racontait à l'époque Libération. Joint par arrêt sur image, le procureur de Grenoble nous a simplement répondu que les insinuations de ces journalistes sont, en au sont sans aucun fondement. Un autre point intéresse particulièrement Karl Zero. Lors de son premier procès, Nordal Lelandais avait déclaré qu'il était un maillon de la chaîne. Une citation évoquée à plusieurs reprises par Karl par Zero dans son dossier euh, consacré à l'affaire, censé prouver que Lelandais appartenait à une opération plus vaste. Joint par arrêt sur image, un journaliste qui a couvert l'affaire Le Landais Noyer euh, confirme qu'elle a bien été prononcée par Le Landais. Mais dans une version plus longue, il a dit Je suis le dernier maillon de la chaîne, le petit maillon, et s'il manque un maillon, le vélo n'avance pas. Mais il était évident qu'il parlait de sa famille et qu'il réfléchissait à comment il en était arrivé à tuer le caporal Noyer. C'était une réflexion sur l'enchaînement des événements, en aucun cas l'aveu d'une participation à un réseau. Une phrase également relevée par Marianne qui la juge pas très claire. Il y a une pièce, c'est une ex-FN qui a dévié sur la droite, pute le RPR, et qui a fait des déçus partout, d'accord. Utiliser leur pouvoir, il y a parfois des réseaux Hollywood, genre les casse pour enfants, euh, mais c'est pas des réseaux illégaux. Ouais, ouais, c'est euh, vraiment juste. Non, encore une fois, c'est pas juste. C'est des mecs, voilà, qui... Le pouvoir euh, rend fou, et euh, le pouvoir, enfin, euh, leur, leur fait commettre, voilà. Faut, ils, ils font pression, voilà, sur les gens pour, pour justement... Euh, asseoir leur pouvoir et, euh, et faire euh, et justement euh, faire pression justement sur euh, en leur forme, de des carrières pour, pour pouvoir euh, justement euh, c'est plus un système qu'un réseau. Voilà. Tandis que là vraiment ils parlent genre justement d'une espèce de réseau un peu secret euh, mystérieux qu'on connaît, qu'on connaîtrait pas euh, tandis que, euh, tandis que voilà, ce qui se passait avec les Weinstein c'était euh, euh, connu, c'est juste que personne en parlait publiquement. Et quand, 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 quand euh, Asia Argento a ouvert, euh, ouvert la bouche, la parole s'est libérée et euh, du coup, euh, ça a été euh, mis au grand jour. Mais c'était un fait connu. Tandis que là, c'est vraiment genre euh, des, des choses qu'on nous cache. quoi. Landé, le il était au régage 24, donc bon, le crédit qu'on peut accorder à ses propos est moyen, certes. Euh, 40 pages, peu de preuves. Annoncé au printemps, le numéro de l'envers des affaires consacré à l'hollandais est sorti fin octobre. L'enquête consacrée à l'ancien militaire n'est pas signée Oli Pori Santoro, mais Karl Zero en personne. Et c'est elle sur une quarantaine de pages. Dès l'introduction, le ton est donné. L'affaire dépasse largement le cadre banal d'un petit dur de province. Pardon, qui se retrouve accusé du meurtre d'une fillette. Cette vision simpliste des choses, aujourd'hui érigée en version officielle à bon marché, serait celle à laquelle il faudrait s'en tenir. Tout au long du dossier sont égrenées plusieurs théories, le plus souvent appuyées par un ou deux témoignages. Le Landais était proche du grand banditisme. Le Landais était protégé par les gendarmes. Le Landais serait impliqué dans des dizaines de meurtres. La gendarmerie a été incendiée pour faire disparaître des preuves. Lesquelles on ne le saura pas à la lecture de l'article, lui aussi signé Carl intitulé Le mystère de l'incendie de la gendarmerie de Grenoble. Comme preuve que l'incendie n'est pas anodin, Carl cite une déclaration de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur euh, à l'époque, qui, selon le journaliste, Journaliste ne laisse que peu de doutes sur les motivations des incendiaires. Colomb avait alors déclaré Ce sont les gendarmes qui sont en train d'étudier la disparition de la petite Maëlys qui sont empêchés dans leur travail. Laissons travailler celles et ceux qui veulent mettre fin aux disparitions d'enfants. Un signe pour Car Zéro que le ministre n'est pas dupe de ce qui se joue. En réalité, Jarre Colomb penchait lui aussi pour la piste anarchiste. Il déclarait au Dauphiné libérés Maintenant j'appelle au calme et j'attends que les groupes de la mouvance anarcho-libertaire condamnent cette violence extrême et, et montrent ainsi qu'il s'agit là d'actes isolés. En somme, il regrettait juste que le travail des gendarmes sur l'affaire maéliste qui avait ému toute la France, soit ralenti par incendie. Euh, le Landais, sans compter que le premier procès pour le meurtre d'Arthur Noyer a laissé place à beaucoup d'analyses psy, mais tu as un bloc en face et de gros blocages psychos. La thèse de l'accusation, c'est que Zélandais. Euh, le Landais, euh, et pas Zélandais, voulait satisfaire des pulsions sexuelles avec n'importe qui, femme, homme, enfant. Non, mais quand tu prends Colomb comme référence, ça pose déjà le zinzin, c'est clair. C'est vrai que Colomb était ministre de l'Intérieur, j'ai l'impression que ça fait qu'un an. Et ouais, c'est pas si. Euh... T'as l'impression que ça a été il y, y a une éternité, c'était pas si vieux en fait. Surtout qua n'explique jamais qui dirigeait Nordal Lelandais si celui-ci effectuait en réalité une commande en kidnappant Maïlis. Aux yeux de Thibault Solano, qui a suivi l'affaire Hollandais pour Marianne, la terre du réseau ne tient pas. La théorie qui circule déjà dans les premiers procès-verbaux de l'enquête, les connaissances de Lelandais sont tellement sidérées qu'elles échafaudent des hypothèses. C'est complètement bidon. Même jugement pour Alain Jakubowicz, euh, l'avocat de Nordal Lelandais, joint par arrêt sur image. Il n'y a pas un mot de ce qu'il raconte qui correspond à la réalité c'est du grand n'importe quoi Alain Jekubovic c'est pas le président de, de la l'icra. oui ou c'est un homonyme mais euh, bref la justice elle-même bat en brèche et euh, un autre argument de Carl Zero selon lui le landais n'aimait pas les petites filles sous-entendant que l'enlèvement de Maëlys n'était pas fait, pas de son propre fait en fait Nordal le landais était mis en examen pour avoir agressé plusieurs de ses petites cousines il sera jugé pour ces faits et les enquêteurs ont trouvé de nombreuses traces de sites pédopornographiques dans son téléphone, même s'il a toujours nié avoir violé Maëlys, dont le corps a été trop dégradé lors de sa découverte pour que des éléments tangibles dans ce, allant dans ce sens aient pu être découverts. Les fameux qui tirent les dans en secret, avec bah ouais, comme billard avec les euh, avec euh, avec, les, euh, avec les, les vaccins et les masques et tout le bordel. Quand même, Marianne dictateur il faut vraiment se remettre en question. Euh, ça. C'est justement, c'est là, c'est les grands médias, tu vois, les grands médias mainstream. Euh, même si évidemment, euh, on peut reprocher euh, dix mille euh, choses à Marianne, euh, et, euh, et Dieu sait qu'on peut reprocher. Euh, faut, voilà, là, à un moment donné, faut, enfin, faut pas non plus euh, déconner, quoi. Ah, oui, mais me rend C'est bien ce qui me semblait. Linge hein, que il me semblait bien que c'est le patron de la ligue. Eh ben, même pareil, tu vois, la licra. Enfin, <laughs> tu vois, enfin bref. Mais bon, c'est pas le sujet. Un documentaire l'avenant. Le 25 octobre, Carl Zéro publie sur sa chaîne YouTube un documentaire intitulé 1 sur 5, le film contre la pédocriminalité. Un titre qui fait référence, selon les calculs de Carl Zéro, au nombre de Français ayant été victimes. De violences sexuelles pendant l'enfance, un chiffre sujet à caution, comme le rappelle Marianne, qui écrit le documentaire du journaliste. Il faut dire qu leur, que l'heure ennemi, que dure le film n'apporte toujours aucune réponse aux questions que soulève lui-même Carl Zero. Si la première partie du documentaire est un constat sur l'état de la justice, de la justice en France augmentée de témoignages, notamment d'Andrea Bescon comédienne et réalisatrice victime de violences sexuelles dans l'enfance. La deuxième partie reprend toutes les obsessions de Car Zero, élite et réseau pédocriminel. Le documentaire utilise aussi de très grosses ficelles pour faire passer ses messages. Ainsi, lorsque Car Zero, qui est sur la voix off, explique que certaines institutions comme l'Église catholique ont présenté leurs excuses pour les crimes commis en son nom sur les enfants qui lui étaient confiés, un exemple qui serait tant euh, que d'autres institutions partage partageant le même goût du secret suivent à jour de Car Zero. En fond, apparaît pendant deux secondes l'image d'une loge mastonique sans que la franc-maçonnerie ne soit, soit évoquée. Alors ça, ça dure 30 secondes, donc on va voir ça. La pédocriminalité a gangréné toutes les couches de la société, y compris celles censées nous en protéger. Première d'entre elles à s'être couverte de honte, l'Église catholique, prônant la chasteté avant le mariage, mais pratiquant allègrement la pédophilie. Elle a fini par reconnaître publiquement sa responsabilité. Pardon pour les de membres de, de la Un exemple qu'il serait temps que d'autres institutions partageant le même goût du secret suivent. D'accord, très bien. Alors, mis le côté giga-conspire dangereux, on peut aussi parler du giga que Carl Zero, mais tout à son nom. Bah, ouais, je crois que j'ai vu la. Attends, est-ce qu'on a vu la, le, la couverture du journal non, je crois pas. Il y a, vu. Eh oui, si voilà ah, oui, voilà. Il y, a, il y a sa signature là. Là, tout à fait, avec sa tronche. Et euh, dans le numéro 1, il y a encore un, une histoire sur les dessous de l'affaire Allègre. Je sais pas s'ils si ont s'ils vont en parler dans le, dans, le, dans le magazine, mais euh, voilà. Pour sa défense, il essaie peut-être de capitaliser sur son. Ah, ça, après, oui, bah plein de gens, plein de gens font ça, mais bon. Voilà. Bon. Alors, en tout cas, c'est pas, pas vraiment le, le pire sujet et le sujet le plus dangereux, c'est clair. Pour asseoir son propos, les élites ne prendraient pas le sujet de la pédocriminalité au sérieux, car zéro n'hésite pas non plus à tronquer certains propos. Ainsi, lorsqu'il est évoqué... Euh, attendez, euh, oui, voilà, pardon. Excusez-moi, je voulais juste vérifier un truc. Pardon. Euh, J'en étais où Casero euh, n'hésite pas non plus à tronquer certains propos. Ainsi, lorsqu'il est évoqué dans le chapitre sur l'école, l'affaire Villefontaine, du nom de la ville où était en poste un directeur d'école accusé d'avoir violé et agressé des dizaines d'enfants avant de se suicider en prison. À l'occasion de ce suicide survenu avant la tenue d'un procès, Najat Valo belkacem alors ministre de l'Éducation nationale, s'était exprimé face aux caméras de France 3 et Itélé notamment. Une prise de parole coupable selon Karl Zero, La ministre de l'Éducation eut alors une réaction qui interroge sur le peu d'intérêt comporté aux victimes. S'ensuit un extrait dans lequel Najat Valo Belkacem déclare Je suis sous le choc. Je, je pense à la fois d'abord à la famille de cet ex-directeur d'école. La vidéo est coupée brutalement. Voici la déclaration complète. On va la regarder. Ah putain, ça dure 5 minutes, mais. Euh... Nous avons été informés, le garde des Sceaux et moi-même, ce matin tôt, de, du suicide de l'ex-directeur d'école de Villefontaine, qui avait été mis en cause pour euh, des faits de pédophilie. Euh, je suis sous le choc. Je suis sous le choc parce que je pense euh, à la fois d'abord à, à la famille de, ce, de cet ex-directeur d'école je pense aussi euh, aux familles des enfants de Villefontaine, qui ont été ces petites victimes. Ces Petites victimes qui euh, ont vu leur innocence brisée, leurs parents qui attendaient des réponses euh, du procès qui ne les auront pas. Euh... Voilà, donc c'est ce, ce, euh, ce que dit Paul Avline dans, dans l'article. Je suis sous choc, je pense d'abord à la fois de la famille de cet ex-directeur d'école et aux familles des enfants de Villefontaine qui ont été ces petites victimes qui ont vu leur innocence brisée, leurs parents euh, qui attendaient des réponses au procès qui ne les auront pas. Une tonalité tout à fait différente. Euh, c'est curieux de savoir quelle connerie il euh, raconte sur l'affaire. Bah, déjà, c'est tout le, sous le départ de son euh, un peu de son de canal et, euh, et peut-être un peu de, sa, de ses de ses, euh, de de lubies aujourd'hui quoi. Enfin, en une phrase, Carl Zero résume le but du documentaire de son nouveau magazine prouver qu'il n'existe pas de tueurs solitaires, mais seulement des réseaux pédocriminels. La justice française, soucieuse de maintenir la paix civile, transforma inévitablement, invariablement les Émile Louis, Patrice Allègre et Michel Fourniret, tous pourvoyeurs en chair, de fra... en chair fraîche de réseaux comme du trou, en simples prédateurs isolés. Politiques, magistrats, policiers, journalistes se côtoyant bien souvent dans ces cercles fermés, déployèrent des trésors de prudence pour minimiser une réalité que le peuple ne devrait pas savoir. Les réseaux pédocriminels, de criminels existent. Qu'importe euh, que l'implication d'Émile Louis, condamné à perpétuité pour sept viols et assassinats dans un réseau n'ait jamais été prouvée. qu'importe encore que l'affaire allègre Soit jonché de faux témoignages et écouter sa réputation à Dominique Bodice ainsi que sa place à Canapus à Carl Zero, qui avait lu dans son émission une lettre de tueur en série. Qu'importe enfin que les enquêteurs de l'affaire Fourniré n'aient jamais établi le moindre lien entre l'ogre des Ardennes et un réseau pédocriminel, c'est d'ailleurs Fourniré qui était à l'honneur du premier numéro de l'envers des affaires sous la plume d'Oli porri Santoro. C'est très vexant pour les tueurs en série d'affirmer qu'ils sont incapables de tout faire tout seul, certes. C'est limite du canon dans le texte, ah bah oui hein, c'est sûr. il y, y a une espèce de de couche plus sérieuse entre guillemets de journalistique derrière, mais euh, l'histoire euh, euh, est la même. Avant le landé, Carzéro avait fait euh, de l'affaire fournirait le produit d'appel du premier numéro de son nouveau magazine le 5 mai sur Sud Radio. Bah, putain, il est vraiment allé euh, dans, dans tous les bons, dans tous les bons médias. Il savait à qui il, a, il, a, il savait à qui il parlait, hein. Je pense qu'il n'est pas, qu pas totalement bête non plus. Il déclarait nous faire passer Fourniret pour un homme des bois qui surgit les yeux injectés de sang pour se jeter sur des petites filles. Moi, je n'y crois pas. Euh, je vous le dis, ce gars-là, il est bien plus intelligent que ce qu'on nous a présenté. Il sait pour qui il travaillait. Revoilà les fameux réseaux. Sauf que dans l'enquête publiée dans le magazine, rien ne prouve que Michel Fourniret, mort le 10 mai 2021, travaillait pour de quelconques commanditaires. La principale révélation de l'enquête tient dans l'interview réalisée par Oli Poris-Santoro, un franc-maçon qui a côtoyé Michel Fournier avant que celui-ci ne soit condamné et alors qu'il vivait dans les Ardennes. Une interview largement teasée par CarZero sur le plateau de Touche Pas à mon poste le 7 mai, putain décidément. Le plus incroyable, c'est qu'il, qu Michel Fournieret, euh, note de la rédaction, se vantait de franc-maçonnerie et tout, et puis Oli a retrouvé ce vénérable maître qui, qui répond à l'interview. Et, euh, et qui dit qu'effectivement, ils ont soutenu financièrement Michel Fournieret, ce qui est quand même absolument fou. Dans l'interview publiée par Oli poris santoro pardon Pierre-Louis D présenté comme un grand maître de l'ordre maçonnique ni d'abord que Michel Fourniret ait pu euh, faire partie d'une loge notamment en raison de son passé criminel il avait déjà été condamné à multiples reprises dans les années 60 et 70 euh, qu'est-ce que tu dis euh, Sud Radio ouf bah ouais non mais euh, Sud Radio enfin Pascal Pro, Hanouna euh, euh, enfin vraiment la, la totale et, et je crois même si j'ai si un peu survé l'article il, il est même allé en, à, chez encore pire euh, je disais quoi donc euh, l'affaire Allègre, c'est une affaire de meurtre dans un restaurant japonais euh, non complet. L'affaire bah, Allègre Douce, ouais. <laughs> t'es con. <laughs> euh, Michel Fourniret n'était donc pas franc-maçon, euh, même si Pierre Louis Day reconnaît avoir euh, connu le tueur en série avant que sa véritable nature ne soit mise, mise au jour. Il l'a connu dans le milieu professionnel alors que Pierre Louis Day, Travailler pour un laboratoire euh, géoroutier avec lequel Fournieret euh, collaborait occasionnellement. Il reconnaît avoir donné de l'argent à Michel Fournieret lors de sa première incarcération. Il dit qu'il ignorait à l'époque les, rais les, 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 les raisons de cette incarcération afin d'aider sa première femme dans le besoin. En somme, si l'entretien euh, éclaire une partie de l'itinéraire de Michel Fournieret, il n'apporte en rien la preuve que celui-ci était bel et bien soutenu par un réseau franc-maçon. Une hypothèse que rejette en bloc Patricia euh, Touranchot, journaliste spécialiste de l'affaire et autrice de nombreuses enquêtes sur le tueur en série. Elle s'en agace même auprès d'arrêt sur image, fournirait ne fournissait aucun réseau, il gardait ses victimes pour lui. Monique Olivier, son épouse condamnée à la perpétuité pour complicité de meurtre et de viol, euh, aurait été trop euh, contente de balancer des puissants qui auraient, été, qui auraient aidé son mari, même lui aurait utilisé ça pour se défendre. La journaliste note par ailleurs euh, de nombreuses euh, approximations dans le dossier consacré à Fournieré. Il est écrit que Fournier déterre le butin du gang des postiches en exhumant un cercueil, mais c'est faux. Le butin est enterré à côté du cercueil. Ensuite, ils déduisent euh, de son séjour en Algérie pendant la guerre d'indépendance euh, que les horreurs de la guerre avaient pu le pousser à violer et tuer bien avant son retour en France. Or, on sait par lui et par sa première épouse qu'il est vierge lors de son premier mariage en 63. Quant à ses liens avec la franc-maçonnerie ou le retardisme, Club, tout en chaud, ballet, euh, fournirait à essayer de jouer les notables. Quand il était à Clairefontaine, dans les Yvelines, il a participé au Rotary Club. Il essayait de faire copain-copain avec les policiers du coin. Il a dû côtoyer un ou deux francs-maçons. Mais tout ça, c'était pour se sentir immunisé et acquérir un statut respectable au contact de gens un peu puissants. Alors, vous n'avez dit dans un de ces sketchs, si vous connaissez pas Radio Sud, c'est une radio euh, beaucoup euh, à droite qu'au Sud. <laughs> Non, non, Varissa, c'était euh, une blague ce que, que tu as répondu, Yannien. Si, si, si des gens peuvent éclairer sur l'affaire Alec, moi je ne saurais pas résumer en, en gros. Euh, mais voilà. Un, euh, un journaliste du magazine de Zéro condamné. Après avoir signé le dossier fournirait Oli Pourri santoro devait également signer l'enquête sur le Landais comme il avait annoncé sur le plateau de TPMP voire plus haut. Pourtant, c'est bien CarZero qui appose sa signature sous l'enquête accompagnée de la rédaction. Pourquoi ce changement d'enquêteur en cours de route Le retrait de Santoro tient peut-être au fait que le journaliste a été condamné le 21 juin 2021 à 12 mois de prison dans quatre fermes. Pour avoir violemment dénigré le blogueur Jérémy Gisclon, alias Jérém star waouh, sur les réseaux sociaux en 2020, alors que Santoro faisait la campagne de promotion d'un livre auto-édité. Jérém Star, la fesse cachée de Jérém Star. Wow, tout un programme, hein. Wow, oh, oh. Une condamnation dont le journaliste a fait appel, joint par téléphone, l'avocat. Euh, j'adore le, la, le titre du bouquin, quoi. Il est incroyable. Euh, joint par un téléphone, l'avocat de Jérémy Gisclon, Nicolas Benoît, se souvient d'une violente campagne contre son client. Il a publié l'adresse de mon client, son numéro de téléphone. Il a appelé la production de Fort Boyard pour qu'il ne participe pas à l'émission. Il a envoyé des lettres aux salles de spectacle dans lesquelles Jérémy Star devait jouer son spectacle. Il a un spectacle, Jérémy Star. Putain, waouh. Pour qu'il soit déprogrammé. Le name drop de Jérémy Star, je n'étais pas prêt. Moi non plus. Hein. <laughs> c'est waouh, c'est <laughs> Joint par téléphone et par courriel, Oli Santoro euh, nous a d'abord indiqué euh, travailler à la rédaction d'un livre dédié au Japon et ne pas pouvoir s'éparpiller. Malgré euh, nos relances, il n'a pas donné suite à nos sollicitations, idem pour Karl Zéro. Contacté en septembre dernier, le journaliste nous avait indiqué qu'il qu répondrait à nos questions après l'apparition du, du numéro consacré à Nordal-Lelandais. Il n'a depuis plus répondu à nos demandes de contact. Il a en revanche donné plusieurs interviews récemment, notamment au site complotiste François, ainsi qu'à André Bercoff. Nous avions dressé le portrait sur Sud Radio voilà bonne petite euh, bonne petite, euh, bonne petite déglinguerie. je ne sais pas si c'est un vrai mot mais en tout cas voilà c'est euh... en tout cas il a ça a l'air de, de fonctionner pour lui hélas enfin, hélas euh, heureusement pour lui mais enfin heureusement non, pas heureusement mais euh... il doit être plutôt content mais euh, en tout cas il profite bien de toute cette un peu vague euh, complotiste en tout cas il choisit bien ces, euh, ces médias dans lesquels euh, dans lesquels euh, dans lesquels il va faire sa promo hein. mais voilà le, le pop de Star, euh, ça, ça devait être genre je sais pas il, il, pareil il y avait une histoire euh, pareil de pédocriminalité là-dessus je me rappelle plus exactement il y avait des journalistes hein, qui étaient aussi impliqués soi-disant impliqués là-dedans je n'ai j'ai pas suivi j'ai pas suivi ça j'ai vu ça vite fait de loin alors, euh, l'affaire la qui est un tueur en série époque proxénète, des prostituées disent qu'elles ont été violées et torturées dans le cadre euh, de parties fines impliquant divers notables, dont Dominique Bodis, expert de Toulouse, Card Zero, il va à fond là-dedans. Euh, les prostituées en rajoutent, disant qu'il y a même eu des meurtres dans le cadre des dites... Euh, euh, Salut Erzat, stag. Mais ouais, voilà, enfin, en tout cas, euh, triste histoire, triste histoire de ce qui est devenu Card Zero. Parce que le vrai journal était plutôt un magazine intéressant, alors euh, encore une fois, c'était pas de son fait. Euh, C'est heureusement, il bossait avec une, une agence, une bonne agence de, de reportage qui était l'agence Kappa Je me rappelle effectivement de Bodis qui était, qui était venu s'expliquer au, au, au JTTF1, tout transpirant. Euh, et, et voilà, et du coup, je me rappelle que du coup, ça avait empiré un peu la situation, mais, mais c'était quelque chose. Et donc voilà, je sais plus quand est-ce que 0 avait avait été, euh, avait été euh, avait été viré de Canal, mais ça date déjà d'un moment et voir qu'il est toujours là-dessus, bah c'est assez fou quoi. Euh, nom de Star apparaissait pas dans l'histoire de Morandini. Je me souviens plus, je sais plus. Je me rappelle juste que moi, j'avais, enfin, la première fois que j'avais entendu parler de Jérôme Star, c'est parce que Morandini en faisait un article sur lui tous les deux jours. Pour les, genre, dont, genre, personne n'en avait ultra entendu parler de, de, de ce mec-là. C'était un mec qui, enfin, je sais pas, le, littéralement l'article c'était Jérémie Star. En Montre encore ses oh là là super. Car zéro c'était aussi ça bande c'est vrai c'est vrai dans la dernière saison alors que j'ai que j'ai épisode que j'ai pas vu du coup parce que euh, parce que la dernière saison elle est tellement éclatée que, que j'ai vraiment abandonné en cours de route et je suis pas allé jusqu'au bout mais euh, mais voilà et finalement la, donc dans l'affaire legs les prostituées sont rétractées il y a eu un non lieu général mais zéro reste convaincu qu'il y avait un complot à base de pe personnalités qui commettaient des viols et des meurtres euh, étant couvert entre eux par la justice d'accord et ben en tout cas désolé euh, J'aurais effectivement dû mettre Un, un petit euh, trigger warning sur, euh, sur toutes ces affaires voilà, euh, Parce que effectivement J'avais un peu euh, Occulté Enfin euh, pas volontairement occulté Mais un peu, un peu zappé Que c'était euh, des affaires sordides Et voilà euh, Ça parle du meilleur Explorateur masculin Dans le jour et la nuit Tout à fait du, euh, De CarZero le grand, le grand journaliste euh, qui, parle de, qui visiblement Ne parle que de pédocriminalité voilà pour Carl Zéro. Je vous suggère qu'on qu passe directement au deuxième article. Deuxième article de Mediapart. Qui concerne. Euh, qui concerne. Qui concerne Excusez-moi, je reviens sur l'article, le, sur le, sur le, sur pardon. Euh, sur un journaliste qui s'appelle Julien Migo-Muller. Vous remarquez qu'il s'appelle Julien aussi. Comme un, comme un autre Julien qui fait, qui fait un peu la même chose. Euh, saison 913 de X Files pour les gens Robbenet disait plus si vous voulez écouter l'album de Cars 0. Euh, voilà. Euh, donc article sujet tout à fait différent sur euh, donc voilà sur euh, sur l'une des stars de BFM TV donc qui fait la matinale et qui euh, qui euh, donc on va euh, donc on va euh, voilà on va apprendre un peu ce qu'est euh, ce qui est les ménages voilà pour pour les gens qui savent pas forcément forcément ce que c'est. Euh, deux personnalités voilà, qui, euh, qui donc euh, en dehors de leur euh, travail Médiatique donc de, voilà, de, qui, qui souvent sont des, euh, sont des Personnalités euh, télévisuelles euh, Font à côté voilà, pour, des, pour, des com pour le compte d'entreprise privée euh, Des opérations commerciales des, des opérations publicitaires Des conseils pour des patrons euh, voilà, Pour arrondir leur fin de mois Qui doit être difficile je suppose euh, voilà histoire alors après pour un mec pour Denis, comme Denis Brognard bon euh, c'est pas, pas très grave sachant qu'il que bon il présente euh, juste il présente juste Colanta euh, euh, non c'est pas lui qui présentait Téléfoot à un moment donné je sais plus euh, bref euh, mais, mais voilà quand ça concerne des gens euh, comme euh, Julien Migo Muller donc, qui présente euh, la plus grosse émission de bah, de la plus grosse chaîne d'infos de France c'est un peu... ça commence un peu problématique et on va en apprendre un peu plus là-dedans. Euh, son Twitter et son Insta sont passés en privé à qui à à... Il présentait le foot pendant un coup du monde. D'accord. Ouais, il me semble, semblait bien. Le, le, le Twitter de qui qui sont passés en privé De Julien Migomulaire De quart Zéro, peut-être qu'on était encore sur quart Zéro avec le décalage un peu du stream. Julien Migaud-Muller d'accord. Je savais même pas que. Mais bon, après, ben voilà, faut, faut assumer un peu, bonhomme. Alors, donc les ménages assumés d'une des stars de BFM TV. Tôt le matin, Julien Migaud-Muller présente sur BFM TV l'émission la plus regardée de France. La journée, il... ça, je suis pas sûr que ce soit vrai. Ça, je pense que tu es... es les matins, les, les éclats la journée, il prodigue des conseils en communication à des euh, chefs d'entreprise et des politiques. Ah voilà, mais ça va même jusqu'à des politiques, donc euh, c'est encore plus problématique. Un partenariat gagnant-gagnant selon l'intéressé, mais en contradiction avec le discours officiel de la chaîne. Hein. Bonnard est journaliste sportif au départ. Ah oui, c'est d'accord. ont qu'il y a des rumeurs sur lui et euh, l'assimilant à Pierre Ménès. Il, il me semblait bien avoir eu passé ça un peu, mais après, voilà, il y a. Ça, je ne serais pas. Effectivement, quand les affaires, euh, quand, la, quand le, les histoires sur Ménès euh, ont explosé, il me semblait bien avoir vu des journalistes, euh, des euh, sportifs avoir, euh, avoir euh, sous-entendu sans, sans, euh, sans forcément le nommer euh, directement, euh, que, euh, bah que voilà, il, il faisait un peu pareil quoi. Après ce sont des rumeurs, on va pas faire comme CarZero, tout à fait. Mais voilà, c'était c'est jamais nommé directement donc euh, est-ce que c'était lui Voilà, je sais pas. Donc euh, voilà. Depuis son arrivée à la tête de la chaîne en avril 2019, le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, oui, j'avais oublié que c'était lui, a fait passer le message à ses équipes. Les ménages faits d'être rémunérés par une entreprise ou une institution parallèlement à son travail de journaliste ne sont plus autorisés en dehors de quelques rares exceptions. Seules les interventions caritatives ou pour une cause nationale sont autorisées avec accord de la hiérarchie. Mais la consigne n'est visiblement pas perçue de la même manière par tout le monde au regard du cas du journaliste Julien Migaud-Muller co-présentateur de euh, première édition une sorte de prématinale chaque matin de 4h30 à 6h ah d'accord c'est pas la matinale euh, genre à 7h du mat euh, une, cette émission capte autour de 11% de part d'audience ce qui en fait l'émission la plus regardée de France sur cette tranche ah d'accord ok je pensais que c'était euh, en même temps que euh, Télématin et tout donc ça me paraissait, ça me paraissait bizarre euh, une sorte de prématinale chaque... Euh, bon bref euh, sur le selon BFM TV qui communique abondamment sur ses bons résultats en mai 2019, la chaîne du groupe Altis avait aussi mis en avant Julien Migo Muller dans sa série BFM Inside, montrant les coulisses de la fabrication de l'information. En sortant des studios de l'Altis Campus, qui rassemble euh, les rédactions du groupe de Patrick Drahi, Julien Migo Muller s'adonne parfois à d'autres activités professionnelles que le journalisme, le conseil en communication ou la minimation de séminaires pour des clients prestigieux. Sur son CV, euh, que Mediapart a, a pu consulter, on trouve le nom de ses clients Bouygues Immobilier, Société Générale, Hublot. Euh, je ne sais pas ce que c'est ça Hublot, Louis Vuitton, Areva, EDF, Sanofi, euh, Vinci, Naval Group, Naval Group, Orange, etc. Que des, que des bons clients. Euh, mais aussi euh, des partis ou des collectivités, La République en Marche, euh, l'Assemblée Nationale, la région Hauts-de-France, le ministère des Armées, etc. Les spectateurs, eux, ne savent pas en regardant ces émissions que Julien Migaud Muller peut avoir un lien par ses activités de conseil avec un sujet qu'il présente. Je ne communique pas à l'extérieur, parce que les gens peuvent être tellement suspicieux aujourd'hui. Oh là là, bah oui. <laughs> On se demande pourquoi. Hublot c'est des montres. Peu possible, je ne sais pas du tout, je connais pas. Il faut dire que sur cette tranche, il n'y a rien d'autre. C'est vrai, tu m'étonnes. <laughs> Questionné par Mediapart du Amigo Muller, 35 ans. Puis il est plus jeune que moi. Cet homme est plus jeune que moi. Être de droite euh, fait vieillir, je le rappelle. Assume cependant cette euh, double activité, expliquant vouloir ainsi réduire la distance entre les journalistes et leur public. Il n'y a rien qui fait plus mal au cœur d'entendre ⁇ Je ne vous parle pas, vous êtes journaliste ⁇ C'est tout le sens du média training, de ne pas avoir peur du journaliste, leur apprendre comment nous, on travaille, quelles sont nos attentes. On n'est pas des procureurs, on n'est pas là pour les juger, on est là presque pour les mettre en valeur. Waouh explique-t-il. Le journaliste ajoute qu'un bon reportage, un bon sujet, c'est un sujet où la personne qu'on interviewe est un bon client. Pff, déprime. D'où la raison, selon lui, de coacher les intervenants. Ce n'est pas pour ça qu'on va leur dicter ce qu'ils doivent dire. Ce n'est pas pour ça qu'on va être moins bons, nous, journalistes. C'est presque du gagnant-gagnant. Le journaliste reconnaît avoir travaillé avec les entreprises citées dans sa plaquette. Putain, il y a une plaquette. <laughs> Je l'imagine trop, quoi. Je l'imagine trop comme un lieu commercial horrible. Euh, merci, merci les modos pour autoriser les mots que l'automode euh, Newton ne, ne, ne bloque un peu euh, pas des procureurs sauf quand l'invité est vaguement de gauche bah oui de ouf les procureurs sont pas là pour juger mais pour mettre en accusation ce sont les juges qui jugent connard <laughs> je te sens vénère Clémence désolé de te mettre de mauvaise humeur de si bon matin euh, le journaliste reconnaît avoir euh, travaillé avec des entreprises citées dans sa plaquette même si certaines missions évoquées sont anciennes au début de, sa, du début de ses carrières quand il était pigiste il y a une dizaine d'années et avant qu'il ne commence à présenter des JT Il a aussi pu forcer le trait sur d'autres missions On ne va pas se mentir, les références qu'on met sur nos plaquettes souvent euh, c'est pour se faire mousser un peu, explique-t-il on va mettre la grosse holding plutôt que la filiale Je suis de mauvaise humeur tous les matins <laughs> T'inquiète, putain ouais un PLV genre Hey ça ça doit être incroyable. Je suis, je suis sûr qu'il en a un. Je suis sûr qu'il en a un de PLV. Un PLV donc une une vous savez les espèces de de comment dire de, de figurines en carton qu'on voit souvent dans les dans les dans les magasins ou devant les ciné pour, pour faire la promo de gens. Euh, cette année par exemple, il a pu entraîner il a pu il a entraîné le designer Eric Jean, créateur de la marque de lunettes Droit de regard qu'est-ce que c'est que ce, ce nom de marque, après avoir été contacté par l'agence de communication à part PR. Ils m'ont dit, voilà, on a un client qui est un ponte de la mode, qui crée sa nouvelle marque, il a besoin de savoir comment mieux communiquer avec les médias d'aujourd'hui. Toi qui as l'habitude des médias d'aujourd'hui, comment on peut mieux communiquer, mieux se présenter C'est presque de la transmission. Dans sa plaquette promotionnelle, Julien Migaud-Muller fait aussi état de l'intervention dans le domaine de la politique et des collectivités. Alors ça, c'est des trucs que j'ai fait il y a très longtemps, c'était en 2009, avance-t-il avant dans un premier temps à l'époque où oui, il travaillait avec Arcol Corporate, une agence proche de Michel Alieu-Marie, putain, qui se rappelle de Michel Alieu-Marie, et de son ancien micro-parti Le Chêne, euh, et de son ancien micro-parti Le Chêne. Mais le présentateur de BFM TV ensuite continue à travailler avec le fondateur d'Arcol Corporate, Michael Bulara, quand il a rejoint l'entourage de Valérie Pécresse après la fin de la carrière politique de MAM en 2017. Michael Bulara a créé Libra, organisme qui vend des formations pour les élus de Libre, le micro-parti de Valérie Pécresse. Putain, ils font que des micro partis ça m'énerve. Euh, tu es journaliste, Julien, pas diplômé en marketing Peut-être que si, <laughs> peut-être que si. C'est peut-être l'inverse, il est peut-être diplômé en marketing et pas journaliste. C'est ça le truc. De droit, oui, complètement. Mmh. Sinon, t'es déterré de bon matin. Je vais créer une marque de shampoing, droit de réponse. Excellente excellent blague, oui. T'es mal à taille du Pulara. Mam et la Tunisie, quelle belle histoire. Je me rappelle plus c'était quoi cette histoire. Je me rappelle vaguement d'un truc, mais, euh, mais ouais. Et je, pense que tu vas nous le, je pense que tu vas nous rappeler Clémence, comme tu sais si bien le faire. C'est dans ce cadre qu'en qu 2018, Julien Migaud-Muller a dispensé une session en média training à Yann Dubosc, le maire, le maire libre de Bussy-Saint-Georges, Val-de-Marne. J'y suis allé euh, qu'une fois, ce mec, je ne l'ai pas senti, il m'a reçu avec une heure de retard. bah oh là là. oui, bon après. Je suis resté 10 minutes, on a bu un café, je n'ai pas été payé, je n'y suis, suis jamais retourné. Il va aller prendre le RER, oh là là, que, quelle honte euh, prendre le RER, vous vous rendez compte, ça me prenait toute la journée. J'ai dit à Michael Bulara, je n'y retourne pas, précise le journaliste de BFMT. On me vend des mecs de province qui ne savent pas communiquer. Putain, quel mépris. Et on se retrouve face euh, au premier euh, caisseur de l'Assemblée nationale qui vous, maîtrise, qui vous méprise. Bon. Il y a eu des maires sous étiquette pécresse. et bah, ben, faut croire. Reporter de guerre, <laughs> c'est clair. Oh là, j'ai pris le RER, vous vous rendez compte En 2016, pendant la primaire de la droite, euh, il avait travaillé pour le compte d'un autre, autre communicant politique, Philippe Moreau Chevrolet. Et son agence MCBG, là, là j'avais donné deux, trois conseils. Ce n'est pas un candidat en particulier, c'est une société pour laquelle j'ai dit comment euh, nous, journalistes, on travaillait. Ce n'était pas un média euh, training face à un candidat, se défend Julien Migo muller contacté. Euh, Migot-Muller, Pardon. Contacté, Philippe Moreau-Chevrolet, euh, qui, qui avait en réalité pour mission de faire connaître les positions d'Hervé Mariton. Selon le Figaro, n'a pas souhaité s'exprimer sur cette collaboration. Après l'élection d'Emmanuel Macron, le présentateur de BFM est contacté par Arnaud Sanchez, ancien socialiste rallié au macronisme, ayant euh, souhaité ubériser la formation des élus hein, avant que son idée euh, ne vire au fiasco. Euh, il, doit il doit donner des cours à Florian Bachelier, député d'Ille-et-Vilaine et premier caisseur de l'Assemblée nationale. Mais les deux hommes n'auraient pas réussi à s'entendre. Le mec ne voulait pas écouter. Ce n'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu. Euh, donc voilà, c'est la, la citation qu'on a vue tout à l'heure. On me vend des mecs de province qui ne savent pas communiquer. Et on se retrouve euh, face au premier questeur de l'Assemblée nationale qui vous méprise. Bon, j'ai dit à Arnaud, on s'arrête là. Euh, je devais avoir beaucoup de formation avec cette boîte-là. On s'est arrêté là. Putain, il a, ça, ça a pas l'air d'être un mec très efficace en plus. Euh, Michel et Marie avaient posé au président tunisien le savoir-faire. Euh, des flics français pour bien annihiler les manifestations du printemps arabe en Tunisie et une semaine après on a appris qu'elle avait eu des vacances de luxe à l'œil offert par Ben Ali waouh et les mecs tu vois genre, genre vraiment ils sont euh, ils voient pas le problème c'est ça le truc c'est que c'est est, est-ce euh... qu'on peut appeler ça des crimes moi j'appellerais ça des crimes oui tout à fait c'est euh, c'est que c'est euh, délits voilà on va, lire, on va dire des délits ça parle pas aux gens parce qu'il n'y a pas de victimes en fait il n'y a pas de victimes visibles et du coup parce que voilà ce, qui, ce que ce que veulent les gens c'est euh, c'est pour ça que les trucs euh, qu'on a vu comme chez Carl zéro tout à l'heure ça ça nourrit l'imaginaire ça c'est euh, les gens sont très accrants sur euh, genre, genre sur les sur les histoires de, de pédocriminalité, etc parce que c'est des trucs vraiment qui choquent l'opinion et du coup tu vois on entend souvent des discours euh, genre oui euh, je suis pas je suis pas pour la peine de mort mais euh, qu'on euh, pour les pour les pédocriminels, si enfin, tu vois c'est et, euh, et du coup c'est facile d'en jouer même s'il y a pas même s'il a pas euh, de preuves Tandis que voilà des, des choses concrètes comme celle-là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de victimes blessées visuelles. Euh, du coup, ça n'intéresse pas les gens. C'est comme les Pandora, les Pandora Papers, les, les trucs comme ça. C'est des trucs très, très, comment dire, comment dire, très conséquents. Mais comme euh, c'est compliqué et qu'il n'y a pas de victimes visible, bah, ça n'intéresse hélas ça pas les gens. Un crime ou un délit suppose une intention psychologique, un commencement d'exécution. C'est aussi là-dessus qu'on joue en droit, j'entends. Oui, j'avoue. Mais euh, voilà enfin il y a des victimes mais c'est très indirect voilà c'est non voilà c'est exactement c'est ce que je dis c'est euh, c'est pas des victimes visuelles c'est euh, à dire on les voit pas c'est euh, c'est vraiment c'est genre c'est un mec qui dit euh, j'ai perdu euh, j'ai perdu tout mon fric par exemple mais euh, mais voilà les la... le mec est toujours en vie dans, dans la tête des gens ça ça ça, ça, a, ça, ça, ça a beaucoup moins d'impact en, en fait le, les Pandora Papers c'est très temps mais il y a dit qu'en France une blague bah, une blague même il y en a pas eu j'ai l'impression à part euh, à part sur Mediapart etc mais dans les, dans les grands médias ça n'a pas eu de raisonnement et de, de, de résonance pardon et c'est un peu c'est un peu normal entre guillemets puisque bah j'ai cru euh, même mémoire moi hein, je ne pas je vais pas je vais pas mentir hein, là dessus j'ai je suis pas forcément intéressé mais euh, mais voilà mais euh, en tout cas c'est euh, d'après ce que j'ai cru comprendre c'est que des gros patrons de de médias comme ceux de BFM TV bah, sont impliqués là dedans donc hein, voilà c'est pour ça en tout cas voilà le journaliste déplore aussi qu'Arnaud Sanchez soit un mauvais payeur, les prestations étaient sous-payées, 80 euros de l'heure, et il n'a d'ailleurs pas il a toujours pas été réglé pour son rendez-vous avec Florian Bachelier, ce que reprochent d'autres anciens collaborateurs à M. Sanchez. Quand il démarre, Julien Migot Muller présente en effet une tout autre, une toute, toute autre grille à entre 1500 et 2500 euros la demi-journée de media training. Comprenant préparation, rendez-vous téléphonique, coaching et retour d'expérience. Pour l'animation d'une table ronde, c'est de 3 000 à 4 000 euros. Le forfait annuel de média training est, de, est à 55 000 euros. C'est ce que je réclame, nuance le journaliste en précisant qu'il est un très très mauvais négociateur. Euh, c'est peut-être sorti un peu sur la chaîne de France Info, puisqu'ils font euh, partie d'un consortium de journalistes euh, qui sortent toutes les affaires importantes. C'est possible. Après, moi, je ne regarde pas les chaînes d'info, donc euh, c'est. Mais c'est possible, faudra revoir, je, je rechercher je ça, pardon. De ses relations commerciales avec des entreprises ou politiques, Julien Migaud-Muller ne voit aucun problème d'ordre déontologique ou atteinte à l'indépendance de son travail. Cela n'empêche pas de faire la part des choses. Ah, c'est toujours, ce, toujours ce fameux discours de faire la part des choses. Et il y a un moment, si ce n'est pas moi qui le fais, c'est un autre confrère, souvent de la même chaîne. Ça fait partie malheureusement aujourd'hui des règles du jeu. Ce n'est pas pour ça qu'on va moins faire. Ou mieux faire notre métier, répond-il Ah putain, ça c'est vraiment un argument que je supporte pas d'entendre personnellement, parce que euh, bah si, forcément t'es influencé, mec. Forcément, enfin t'as as moins de, c'est ce que tu disais. En plus c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que t'es là pour les mettre en valeur justement. Donc à un moment donné, bah forcément que ça joue sur ton, sur ton opinion, enfin pas sur ton opinion, mais sur ton opinion personnelle que t'as. Euh que tu as euh, que as personnellement mais au moins ton métier qui à minima réclame réclame euh, euh, d'être neutre tu vois de pas faire genre euh, de pas être de pas aggro les mecs ou justement au contraire de pas les, les mettre en valeur euh, voilà et euh, et en plus, c'est genre, oh bah c'est comme ça, ça fait partie de la règle du jeu. Bon, c'est bah évidemment si, te, si, euh, si vous laissez pas se faire, si vous, si vous agissez comme ça sans réfléchir à, au fait que d'autres gens, autres que des journalistes, puissent le faire, bah forcément que c'est implicitement les règles du jeu et que ça change pas. C'est comme ça. Enfin, c enfin non, c'est pas comme ça, mais c'est vous qui faites en sorte que ça, que ça fonctionne comme ça. C'est normal, euh, c'est normal du coup que ce soit les règles du jeu du coup. Si vous laissez pas faire les autres, euh, alors, si vous partez du principe que ah bah, de toute façon ce sera d'autres confrères qui vont le faire, plutôt que des gens dont c'est le métier, euh, bah ouais, forcément que euh, implicitement c'est la règle du jeu alors que ça devrait pas l'être. Les mêmes arguments que Chies, bah oui, c'est... Non, mais la, les arguments de tous ces mecs, c'est ça, c'est genre... Euh, c'est genre, bah oui, c'est indépendant 5, 5 sur 5, quoi. voilà, c'est comme il avait sorti à Arrêt sur Image. C'est à l'époque mais je suis sûr qu'il a qu'il tient toujours ce, cet argument. <laughs> c'est c'est voilà, quand le mec était encore journaliste et qu'il faisait des ménages pour mais voilà, il se, il se je suis sûr qu'il se considère toujours comme journaliste aujourd'hui. Alors que euh, littéralement ce qu'il fait enfin c'est il y a pas enfin il n'est pas critique, euh, c'est euh, de la pub et je ne sais pas s'il fait toujours des, des, des ménages à côté. Mais voilà, en tout cas je sais que sa femme le fait. Euh, Carole Quinten enfin euh, en tout cas il n'y a pas si longtemps que ça j'ai vu, vu passer des trucs euh, là-dessus enfin pas des trucs là-dessus en tout cas elle, elle, elle comment dire elle, elle s'en cache pas c'est ça que je veux dire euh, lui je sais pas s'il le fait mais en tout cas enfin voilà en tout cas c'est ce qui explique aussi son travail son travail journalistique entre guillemets qui est, euh, qui, qui est de ne pas se mouiller et de, et de faire des vidéos de 10 minutes sur du vent juste pour pouvoir avoir des annonceurs quoi. et justement pour pas se mettre à dos euh, des, euh, des éditeurs euh, des, 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 des mecs de l'industrie pour, euh, pour qu'ils puissent continuer justement à avoir euh, à voir, euh, bah justement qu'on qu lui envoie des comment des, dire des, des, des exemplaires presse euh, voilà parce que le mec c'est une carpette c'est juste ça mais bon voilà c'est un argument qui m'énerve regardez les débats que j'ai pu animer cet été je suis dur avec tout le monde bah ouais j'imagine mec Vas-y, cite-moi un exemple. <laughs> en, en ajoutant que, de toute façon, nous avons des rédacteurs en chef et un directeur de rédaction, des chefs d'édition. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a des, des pare-feux et garde-fous partout. Et notre conscience professionnelle par-dessus tout, bah ouais, grave. Donc, ça n'a jamais posé de cas de conscience. Salut, Lutesse McDuck. Le journaliste se met toutefois euh, une limite quand l'événement qu'il anime fait l'objet d'une retransmission sur les réseaux sociaux, car il suffit qu'il y ait un invité qui dérape, un invité qui ne soit pas prévu, et qu'il y ait quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Pour le coup, ça peut se retourner contre nous et l'entreprise. Bah oui, euh, forcément, quand c'est euh, en circuit interne, euh, euh, forcément, ça ne va pas se savoir, sauf si un journaliste est dans le coin et qui va, qu va le rapporter. Là, là, c'est vraiment, on, on voit que... Les mecs râlent toujours à, à longueur de journée contre les réseaux sociaux, mais c'est parce qu'ils ont peur. Ils savent que maintenant, euh, ce genre de choses peuvent être vues. Voilà, peuvent être vues, et donc il euh, y, y a du damage control constant. Et c'est ça qui font que euh, que enfin voilà, ça, ça doit être et je le comprends, ça doit être épuisant. Mais en même temps, bah ouais, c'est à un moment donné, c'est voilà, c'est on peut plus rien dire, on peut plus rien dire, mais en même temps, c'est moi je le vois surtout dans euh, réfléchissez à ce que vous dites les gars. <laughs> voilà. Julien Migaud-Muller prend, euh, prend par ailleurs l'exemple de Thomas Soto, présentateur sur France 2. Euh, ayant dû se mettre en retrait de l'animation de l'émission politique phare de la chaîne après avoir officialisé sa relation avec Mayada Boulos, responsable de la communication du premier ministre Jean Castex. Du jour au lendemain, il, Thomas Soto, euh, ne va pas changer son logiciel de traitement de l'information, mais au du public, ça peut paraître suspicieux. Bah, normal. C'est pour cela qu'on ne communique pas officiellement dessus pour éviter ce genre de choses, précise le journaliste de BFMT. C'est normal que ça influence. Enfin, je veux dire, tu vis toute la journée avec quelqu'un qui va probablement ra raconter son taf. Et de son point de vue, euh, bah voilà, de, de personne qui fait son taf, qui essaie de faire bien son taf, j'imagine, euh, voilà, que, que, quoi qu'on qu en pense, donc forcément, euh, elle en parle de façon positive. Elle va pas dire ah oh putain Jean Castex il me casse les couilles, tu vois. Et, et c'est pour ça qu'il, enfin, c'est c'est forcément euh, indirectement ça, ça, ça a forcément une influence. Je vois pas comment ça peut ne pas en avoir. Je, je trouve ça incroyable que les mecs soient aussi soit faux cul, soit aveugles là-dessus. Moi, je suis, prêt, je suis prêt à parier qu'ils sont euh, genre super sincères là-dessus, mais et qui voient vraiment pas le problème. Et je, je dis pas que c'est bien. Hein, je, je dis juste que ils voient pas le problème et que pour eux, ils sont vraiment sur une autre planète, quoi. Voilà. La charte de déontologie de la chaîne précise pourtant que les collaborateurs évitent toute situation pouvant euh, jeter un doute sur la partialité de l'entreprise et son indépendance vis-à-vis -vis des groupes de pression, de quelque nature qu'ils soient. Les journalistes ne peuvent ainsi participer à aucune opération commerciale ou de communication pour le compte de tiers sans l'accord de leur hiérarchie. Julien Migaud-Muller indique agir en transparence avec sa boîte et en référer à sa direction. J'envoie un petit message à Marco, Marco-Olivier Fogiel, puis il, me, euh, puis il me dit oui ou non, assure le journaliste, et en expliquant qu'il ne va pas contre l'avis de sa hiérarchie. Sauf que Marco-Olivier explique pour sa part n'avoir été sollicité qu'une fois par son journaliste pour l'animation d'une conférence de l'association au service des aveugles et malvoyants, euh, Valentin. Ah oui, je ne sais pas comment on prononce, désolé si j'ai mal prononcé relancé sur l'absence de demande pour les autres interventions. Julien Gmigo-Muller explique ne pas l'avoir fait car ce n'était pas public. Et puis on va pas se mentir, on rend aussi parfois des services à des potes qui disent "J'étais journaliste qui m'a planté hier, tu peux faire ce client, on va le faire." Voilà, bah, c'est euh, des, euh, des, euh, des bonnes réflexions ça. Du genre à dire "Je suis toujours dans mes bottes, ouais, non mais je suis sûr que je suis sûr qu'ils euh, ils sont euh, persuadés que c'est le cas. Ils sont persuadés que c'est le cas, mais ça ne l'est pas." En vrai, vu le vase clos que c'est, 100%, on voit pas le problème. Coucou Blanqué, également. Ouais, non, non. Alors, alors, oui, c'est vrai, il est en couple avec une journaliste de BFM. Je, je l'ai appris euh, ré récemment, quoi. Euh, mais voilà, c'est comme... Euh, c'est... Euh, mais ouais, je pense que, je pense que vraiment, c'est... J'ai habitude pour dire, enfin, euh, je parle pour moi, hein, euh, que voilà, plus je vieillis, plus j'ai plus l'impression... Euh, voilà, quand on parle à des, euh, à des, tu vois, à des politiques, vraiment, on a l'impression de parler à un mur. Mais vraiment parce que je pense que ces, ces mecs-là, ils sont persuadés de bien faire et pas forcément de faire, euh, comment dire, de, de, faire, euh, de faire du mal. Ils sont persuadés que c'est la bonne solution, mais parce qu'ils n'y connaissent rien. Ils connaissent pas, ils connaissent pas le, voilà, ce, ce, dont, ce dont ils parlent, ils en, ils en voient juste parler. Euh, dans, euh, à la télé, dans des journaux, etc. Et, euh, et, et c'est pour ça que je pense que les, les trucs des gilets jaunes, quoi qu'on en pense, ça les a un peu pris court parce que là, là justement, ils étaient, il y a des mecs qui étaient proches de, de leur choper le col et que ça, et que ça les a un peu euh, secoués. Alors bon, ça n'a pas forcément euh, donné euh, abouti à des trucs euh, concrets, mais euh, mais tu sens que ça les a un peu. Enfin, euh, tu vois, c'était à deux doigts de les, de les, de les faire transpirer. C'est très naïf, n'importe qui peut se faire influencer par de, de l'affect. Donc, ouais, je comprends qu'on ne puisse pas exercer dans la même manière un métier si y a un conflit d'intérêts. Ouais, mais complètement. Ouais, c'est chouette, ouais, je pense vraiment, de la naïveté. Et je ne dis pas ça de manière très très légère. Hein. C est, c est, c est, je pense que c'est de la naïveté parce que ce n'est pas des, des milieux dans lesquels ils vivent c'est des, des choses dont ils ne se rendent pas compte. Et, mais pour eux ça leur semble normal donc c'est voilà je sais pas ce que vous, vous en pensez si vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord d'accord pas d'accord réagissez maintenant au standard <laughs> si je préviens des conflits d'intérêt pour l'association d'aveugles <laughs> et malvoyants ouais, je... <laughs> le conflit d'intérêt, c'est un truc super important dans la recherche je comprends même pas comment on l'occupe complètement dans les autres domaines bah ouais complètement 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 je sais pas ce que vous, vous en pensez si euh, je sais pas si j'exagère si je, si vous êtes d'accord si, euh, si vous êtes plus nuancé sur la question en tout cas, voilà. Après, euh, l'article, enfin voilà, il, il effleure un peu, voilà, enfin comment dire, il va pas, comment dire, profond, euh, profondément dans ce qu'il a fait, avec qui il a travaillé. Il soulève plus juste, plus davantage le, le problème des ménages dans les médias. Ils prennent, pour exemple, ce, ce mec-là. Mais euh, là-dessus, il a raison, c'est que d'autres gens, d'autres genres de ce milieu le font. Je ne suis pas fou le support des Gilets jaunes, mais vraiment, c'est un regret éternel qui, qui elle, n'est est jamais réussi à, à, jusqu'à leur casser la gueule. Franchement, ça aurait fait transpirer de trois euh, très fort et je ne suis pas sûr que la présidentielle 2022 euh, serait la même si c'était produit. Euh, moi, j'ai un peu un avis. Alors justement, on va parler de Bolloré dans, dans quelques minutes. Là, d'ailleurs, on va, on va directement passer euh, sur lui. Mais moi, il y a, y a un exemple moi, qui m'a toujours frappé. C'est l'exemple de la grève à I Télé la grève à ITL, euh, c'est vraiment moi je me suis c'est vraiment un truc où je me suis rendu compte où voilà où il y a des gens qui font, qui font grève, qui manifestent pour, euh, pour comment dire pour être, euh, pour être entendus, pour des, pour des conditions de travail décentes et en face tu as vraiment quelqu'un qui leur dit littéralement j'en ai rien à foutre. Vraiment, tu vois lui par exemple, c'est c'est pour c'est pas euh, c'est pas de l'analytique, c'est vraiment il l'entend, il, le il le comprend, il le sait, mais il en a rien à foutre. Et, et moi, je enfin, il y a vraiment eu plein d'actions euh, faites. Voilà, il y a eu vraiment plein eu d'articles, comme l'article qu'on va lire là dans quelques instants. Euh, et euh, mais voilà, c'est, en fait, là, là, pour le coup, c'est vraiment du mépris et des, et les mecs. Euh, tu, justement, enfin, alors je dis pas qu'il faut le faire parce que peut-être que ça ne créera que l'effet inverse, c'est-à-dire genre cho choquer l'opinion. Mais euh, moi, je me, je me suis toujours dit... Genre, vraiment, il y a eu plein de choses tentées contre Bolloré pour, euh, pour aller contre lui. Genre, des procès, des machins comme ça, comme ça etc. Et ça ne le déboulonne pas. Et moi, je me là, vraiment, le principal truc auquel, auquel j'ai pensé, c'est... Genre, vraiment, le truc qui pourrait le... Vraiment le... Je sais pas, le, le secouer, c'est d'aller lui choper le col direct à son bureau, quoi. Je dis pas, j'allais aller lui casser la gueule, le menacer ou de... de mais voilà, à un moment donné, je, 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 dis, je me dis, ces mecs-là, ils doivent comprendre que l'intimidation physique. Je dis pas qu'ils veulent le faire, mais euh, encore une fois, mais c est, c est, je, dis, je dirais juste, euh, admettons que des mecs arrivent à le faire, parce que c'est des mecs qui doivent être entourés, euh, genre faut des niveaux de sécurité de malade, de malade. Donc euh, je pense que ça doit pas être si simple que ça. Mais, euh, mais admettons que des mecs y arrivent. Je pense que c'est le seul truc qui réussirait, euh, tu vois, le... à le Ouais, à lui faire comprendre un peu les choses, quoi. Et c'est grave en, enfin, de, de dire des choses comme ça, de d'arriver à penser ces, ces choses-là, alors que justement, genre des, genre des procès, des enquêtes, etc., justement, que, que des politiques viennent fouiller leur, leur nez là-dedans, ça devrait déjà, le, ne serait-ce que quand tu es humain, le, les faire réfléchir. Moi, moi, je suis très naïf, hein, je, je me dis, à un moment donné, moi, je ne suis pas dans le genre, euh, comment dire, euh, dire que voilà, tout le monde est gentil, etc. Mais à un moment donné, tu peux pas être... Euh, moi, je, 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 je me dis, des, des gens ont forcément des barrières mentales, des barrières mentales. Tu vois, tu te dis, genre, genre à un moment, tu te dis, oh putain, ouais non, je, je vais loin là. Et force est de constater qu'il y en a qui n'en ont pas, et que euh, si tu les si tu les secoues pas un peu, littéralement physiquement, hélas, c'est 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 triste d'en arriver, de, 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 arriver à se dire ça, mais euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Voilà, c'est c'est on a on a beau dire que que voilà. Genre oh là là, des gens qui cassent des vitrines, machin, etc., quel scandale, etc. Mais euh, vous vous rendez pas compte que les mecs qui font ça... Euh, J'avais un exemple, un autre exemple aussi, je crois que c'était les, les mecs qui avaient fait grève à Continental. Un, un jour, ils, avaient, ils étaient euh, en attente d'un résultat d'un procès, je ne sais plus lequel. Euh, ils étaient dans une. Euh, ils avaient un, investi, envahi, une, une préfecture. Et ils attendaient juste euh, parce qu'ils étaient en colère, voilà, ils en avaient marre, etc. Et ils avaient, euh, et ils avaient comment dire, euh, désolé, je vous dis pas, je suis un peu dans mon, je vous dirai après, je, je suis un peu dans mon discours, mais je, voilà, j'essaie de me faire comprendre. Euh, ils étaient donc dans une préfecture, je crois, et euh, ils attendaient le résultat d'un procès, etc. Euh, d'un des leurs, je ne sais plus pour quelle raison. Euh, et donc, quand ils ont eu le résultat au téléphone, qui est pas un résultat qui est, enfin, un verdict qui est pas en leur faveur, ils sont mis à tout casser, genre vraiment à littéralement tout casser. Et ça avait fait le tour des. Euh, euh, voilà des médias genre oh là là regardez mais moi je me dit oh là là bah non euh, vous, vous, vous vous voilà c'est c'est comment dire euh, vous donnez une mauvaise image alors qu'aujourd'hui littéralement je comprends que, euh, pourquoi ils ont fait parce que les mecs ils, ont, ils sont juste au bout du rouleau ils en ont juste plein de cul qu'on leur qu'on les prenne pour des cons et que à un moment donné c'est le seul truc qu'ils peuvent faire pour être entendus pour être compris et encore je suis même pas sûr que ça marche voilà donc euh, moi je veux bien comprendre que euh, voilà on casse des trucs euh, que machin etc que ça choque etc mais faut comprendre aussi euh, les gens qui sont à l'autre bout. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que je dis. Quand, quand, quand des mecs font cassent des trucs en manif, bah, faut voir aussi contre quoi euh, ils le font et que c'est la seule manière d'être entendu. Voilà, quand on s'est indigné contre, euh, de... oh là là, ils ont mis le feu au, fouquettes. Euh, voilà, le, le premier truc qu'on a entendu, c'était, oh là, là, vous mettez le feu à un restaurant populaire et vous mettez au chômage la technique des gens. C'est mais on s'en fout, euh, on s'en fout. Euh, voilà, le, le Fouquet ils ont une assurance, ils, ont, ils sont remboursés, etc. Euh, c'est juste un symbole. Voilà, c'est, c'est pas comprendre ça. C'est, euh, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, donc voilà. Désolé, j'ai fini. Je sais pas si j'étais super clair, super, euh, super, euh, super euh, pertinent, mais, euh, mais voilà. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Bollé, c'est buzz de c'est la française. Je comprends même pas comment on a pu arriver à ça en France. Ah ouais, non mais c'est. C'est terrible, hein Moi hier soir je suis rentré chez moi, j'ai suis... vu un tag euh, I love Zemmour euh, sur une porte du métro. J'ai vu deux tags pro Zemmour en, en deux jours. C'est incroyable quand même. Et quelqu'un m'avait dit dans, dans, sur, sur Twitter, je le prends comme une croix gamée, mais oui, c'est complètement ça. Hein. Même physiquement, je pense pas que ça marche. Ouais, je suis pas sûr non plus. Ouais. L'interview de Xavier OJT euh, de France 2 face à Pujadas à la suite de ça, c'est un régal. Je me rappelle plus, faudrait que je... Si quelqu'un la retrouve, faudrait que je donc ce, euh, quand t'as plus rien à perdre forcément bah ouais tu viens plus exprès ouais moi, moi j'étais un peu comme ça avant j'étais euh, très tiède genre euh, oui faut, euh, faut voir euh, des deux côtés machin etc faut, faut voir les preuves ce que disent les autres etc et aujourd'hui en fait plus t'entends des gens dire ce qui, ce qui vise dans la gueule et de l'autre côté plus t'entends des gens dire bah, j'en ai rien à foutre moi okay, c'est pas un problème ça rend dingue quoi Voilà. <laughs> une, je pense que c'est une bonne introduction pour l'article pour qui va venir. Il y a aussi l'exemple des agriculteurs qui s'agagent des préfectures. Et oui, ça marche, ils ont gain de cause. C'est triste, mais c'est seulement ça qui marche. Bah ouais. Comme quand les, voilà, les banlieues foutent, euh, foutent le bordel parce qu'ils euh, en ont marre d'être pris pour des cons. Quoi. Et encore, je suis même pas sûr que ça, que ça marche. Mais en tout cas, ça, ça, à un moment donné, il y a, y a quand même des, des politiques qui interviennent à la télé pour dire euh, ouais, peut-être prendre, prendre des mesurates, etc. Mais ça fait réagir. Ouais. Ouais, non, non, mais euh, c'est c'est ouais, non tu, je, 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 je considère qu'aujourd'hui tu ne peux plus avoir ce, ce genre de discours de demi-mesure, euh, genre, oh les deux se valent, euh, oh là là, faut, faut voir. Alors que littéralement, justement, ce, ce discours-là, il marcherait si, si, euh, si le, la société est égalitaire, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais, euh, mais c'est. Euh, voilà, euh, voilà. Bon, je pense que c'était une bonne intro pour l'article qui, qui, qui va venir. Voilà, si vous arrivez, bonjour, bon matin, bon bon café, bon je ne sais pas quoi, il est presque midi. Non, bon matin, il est presque midi, bon appétit. Euh, euh, voilà. Autorisé, non, non. Je ne sais, sais pas si encore, voilà, merci, merci Sgarbux. Bon, je, vous conseille, je comme il est midi, et à midi le Mac Morning c'est fini, non, il, reste, il vous reste 5 minutes si vous voulez un Mac Morning. Est-ce que ça existe encore les Mac Morning Je ne sais pas. Euh, on va lire l'article. Calère assez fat. De euh, voilà, de, euh, de Raphaël Baquet et Darian Chemin. Oui, vous voyez bien le, vous voyez bien l'article sur comment Vincent Bolloré mobilise son empire médiatique pour peser sur la présidentielle j'ai vu un docu intéressant sur le déboulonnage de statut les manifestants expliquent que depuis des années ils demandent ce qu'on arrête d'occulter les mauvais côtés des colonisateurs sauf que ça change que dalle donc ils passent à la vitesse supérieure à déboulonner bah oui c'est ça non mais c'est ça c'est genre vraiment c'est voilà c'est les mecs qui disent oh non faut pas déboulonner faut pas déboulonner nos l'histoire machin blabla ils disent toujours c'est des mecs c'est ces gens de mecs qui disent toujours ah oui, mais nous on adore la nuance, on adore les débats, etc. Et quand des mecs veulent débattre, dire, Ah euh, bah ouais, mais euh, tel mec que vous, euh, que vous mettez en valeur, bah il a aussi euh, été esclavagiste, euh, il a été, euh, voilà, il a violé des femmes, etc. etc. je sais pas quoi. Ou leur dire, bah ouais, mais non, mais quand même, c'est l'image de la France, etc. Mais vous, de toute façon, vous êtes extrêmes. Euh, voilà, c'est des mecs qui, qui veulent le débat, mais qui, le, qui en même temps, dès qu'on qu leur pose un putain de débat, ne, ne, ne le veulent pas. Donc euh, voilà, c'est... C'est des choses que je trouve qu'on a du mal à faire entendre et c'est très triste. Voilà, c'est pour ça que je, régulièrement je m'énerve là-dessus là, sur, sur, sur ce genre de choses tru, sur Twitter, notamment un certain événement caritatif qui a eu lieu il y a quelques semaines. Euh, voilà, et euh, je trouve ça assez incroyable. Alors que les manifs normales et les grèves ont été vidées de leur efficacité, Sarkozy, Sarkozy aujourd'hui il y a une grève et la France ça, ça ne se voit plus. Ouais, c'est un, un peu ça. Il a, il a pas totalement tort, hélas. Et, mais parce que il a réussi justement à faire en sorte que euh, de retourner l'opinion contre contre ça quoi. Après, genre, j'ai l'impression que USA, ils préfère effacer plutôt qu'enseigner. Qu euh, mais c'est ce que euh, les médias essaient de nous raconter. Ou non, euh, je pense que le milieu militant est, est plutôt et euh, pas. Enfin, euh, il est plutôt justement. Euh, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser et et, euh, et comment dire euh, questionner les justement les milieux militants qui sont pas justement dans justement c'est ce que c'est ce qu'on essaie de dire c'est genre oh là, là tu vois c'est l'exemple avec euh, il tu vois le, le, le pronom il qu'a qu mis le Robert dans son dans dico son c'est euh, on veut pas effacer c'est il y a il y, y, y a des gens qui m'ont répondu, ouais mais vous faites chier avec ça il y a d'autres trucs importants etc c'est euh, on trouve ça moche c'est pas déjà c'est pas un argument et euh, et, euh, et euh, qu'est-ce que ça vous amène de, de voir ça Et ai, moi, j'ai envie de répondre, mais qu qu'est-ce qu qu que ça vous fait à vous qu'il y ait ça dans le paysage Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est pas grave. Il y a des gens qui peuvent l'utiliser et laisser les tranquilles. C'est euh, juste comme ça. Enfin, c'est pas un truc grave. Si ça vous embête, c'est pas grave. Vous l'utilisez pas, euh, mais c'est pas non plus gravissime que des gens l'utilisent. C'est pas un truc euh, horrible. Salut Asile. Euh, bonjour à toi. Voilà, enfin, en tout cas, ça, ça a l'air d'être des sujets un peu décorrélés, mais je trouve que ça, ça se rassemble, en tout cas. Voilà. Bon, Vincent Bolloré, passons à des choses plus, plus, plus radieuses. Je sens que cet article va être incroyable. Comment Vincent Bolloré mobilise son empire médiatique Sans transition aucun. Comment Vincent Bolloré mobilise son empire médiatique pour peser sur la présidentielle. En quelques mois, le milliardaire breton a bâti un pôle réactionnaire qui s'étend. Excusez-moi de l'audiovisuel à l'édition, avec comme fer de lance le polémiste vedette Eric Zemmour, dont les obsessions identitaires et anti-islam colonisent le débat public. Qu'est-ce qui se passe Lecture du monde en cours sur notre appareil. Ah, euh, continue à lire ici. Oui. Pardon. Euh, Vincent Bolloré a demandé à passer euh, par la grille du coq, euh, l'entrée des visiteurs secrets, et il est furieux. Nous sommes en juin 2021. Euh, je te postais deux pages du canard enchaîné euh, 95 euh, de Bolloré sur le Discord ah, très bien je ne sais pas si on aura le temps de les lire euh, aujourd'hui euh, parce que peut-être euh, voilà, ça, ça, ça sera peut-être trop euh, pour aujourd'hui mais, mais on verra en tout cas merci j'irai voir ça et on, et on se lira peut-être ça euh, une autre fois pour faire, pour faire un peu euh, un espèce de fil rouge parce que de toute façon je pense qu'on a on, et on a hélas pas fini d'entendre parler de Bolloré merci à toi en tout cas euh, Vincent Bolloré a demandé à passer par la grille du coq l'entrée des visiteurs secrets et il est furieux. Nous sommes en juin 2021. L'actionnaire principal de Vivendi a rendez-vous avec Emmanuel Macron. J'entends beaucoup dire que vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes, lance le PDG du groupe Bolloré au locataire de l'Élysée. Près d'un an auparavant, un dîner avait déjà réuni le grand patron, le président, son prédécesseur Nicolas Sarkozy et leurs épouses. L'atmosphère avait été conviviale et Carla Bruni avait filmé quelques bribes de la soirée. Cette fois, le déjeuner est expédié plus rapidement que prévu dans une atmosphère glaciale et c'est peut-être là juste avant que les que c'est que c'est joue le premier tour, le premier acte de la prochaine présidentielle. La colère de Vincent Bolloré couvre depuis plusieurs mois. C'est un homme que les gouvernants n'impressionnent pas. Adolescent, il jouait au jean Rami avec, avec Georges Pompidou, que ses parents industriels bretons recevaient comme François Mitterrand dans leur maison du Finistère. D'ailleurs, il a croisé presque tous les présidents de la 5 République dans, 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 dans certains pays africains ou en Asie. Il est reçu avec les égards d'un chef d'État. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas goûté la petite phrase de Brigitte Macron qui se, qui, qui se voulait aimable. Comment peut-on vous aider La réponse affusée, bien sèche sous la formule de politesse. Je vous remercie, madame, en rien. Comment peut-on co peut vous aider Il ignore que l'épouse du président pose rituellement cette question à ses visiteurs, comme si son mari pouvait tout régler, et ses mots anodins ont résonné pour lui comme un affront, raconte-t-il à un ami. D'autant plus qu'il a euh, justement le sentiment que, que l'Élysée cherche à l'agresser plus qu'à l'aider. Euh. C'est un, un breton de droite, pas un vrai breton. Donc ouais. <laughs> Mais enfin, arrêtez vous achetez tout. Quatre mois plus tôt, le 26 février, le tribunal de Paris a décidé, la surprise générale, de renvoyer l'homme d'affaires devant un tribunal correctionnel, alors même qu'il avait accepté de plaider coupable et négocier le paiement de 12 millions d'euros euh, d'amende due dans une affaire de corruption au Togo. Vincent Bolloré s'est convaincu que le président est derrière cette décision judiciaire. C'est encore Emmanuel Macron s'exaspère-t-il qui a poussé le leader mondial du luxe, le puissant patron de LVMH, Bernard Arnault, à entrer dans la bataille pour le contrôle du groupe Lagardère que Bolloré s'apprête à dévorer. Pour couronner le tout, Nicolas Sarkozy assure que le chef d'État a demandé à Angela Merkel... Euh, d'empêcher le géant allemand Bert, Bertelsmann de céder à sa filiale M6 à Bolloré. Putain, ça fait plein de trucs euh, en même temps. À Bolloré, finalement, euh, tombé en mai dans l'escarcelle du groupe tf Le milliardaire euh, voudrait être certain qu'au sommet de l'État, on ne lui, met, on lui mette pas de bâton dans les roues. Mais enfin, arrêtez, vous achetez tout, rétorque le président au-dessus de la table du déjeuner. Euh, encore une fois, tout ça derrière, hein. juste un ego galactiquement énorme. Mais ouais, c'est ça le pire. Souvent, c'est ça, quoi. Donc en gros, il pousse l'autre dans tous ses médias par pure volonté de vengeance. Bah écoute, on va voir, mais c'est ce que ça semble être ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui semble se dessiner. Ce qui se noue ce jour-là à l'Élysée est bien plus qu'une simple brouille, une déclaration de guerre d'un capitaine d'industrie de 69 ans, le déclenchement d'un Blitzkrieg contre ce jeune chef de l'État qu'il ne supporte plus et qu'il aimerait voir battu en avril 2022. Au palais, on a longtemps joué avec le feu au nom de la fameuse triangulation qui veut que l'on puisse, dans les, le discours de l'adversaire, pour mieux le neutraliser. C'est ça que je trouve ouf en plus, c'est que vraiment des mecs euh, qui tiennent des trucs privés, euh, genre, euh, genre vraiment, genre l'instance politique ne les impressionne même pas, tu vois. Alors qu'on devrait, juste, au contraire, enfin je vais pas dire avoir un contrôle, mais euh, qu'on puisse leur dire, et euh, au hey, oh, tu calme, quoi. <coughs> Fun fact, le frère de Bolloré a commis un livre créationniste sous couvert d'arguments scientifiques. Du la sens. putain, on en voit partout la pub dans, les, dans le métro. Ça me. J ai, j ai, j ai, et euh, on en voit partout la pub dans le métro et ça m'a saoulé. Et Justement, il y a, y, a y a un Bolloré dans les, dans les auteurs. Et, euh, et je me dis, mais putain, c'est un des Bolloré. Euh, c'est un des Bolloré de la famille Bolloré-Bolloré et, euh, et donc tu m'apprends que oui, et, euh, et je trouve ça encore plus scandaleux, quoi. Et donc quoi il y a des affiches partout pour ce bouquin dans le métro et ça m'a halluciné quoi. Euh, bref, <laughs> tout va bien. Euh, L'animateur vedette de CNews, Pascal Pro, a été convié euh, à dîner à l'Elysée. Emmanuel Macron lui a souhaité ses vœux par texto pour le nouvel an 2021. Dix fois, les collaborateurs de Brigitte Macron ont raconté à la presse comment elle téléphonait fréquemment à Cyril Hanouna, une, de, une des stars de Bolloré, sur une autre chaîne C8. C'était avant l'offensive du milliardaire pour étendre son empire médiatique avant la tournée électorale du quasi-candidat Zemmour autour du re aut retour au réel depuis la rentrée alors que le polémiste a fait une percée dans les sondages désormais dans les couloirs de la présidence de la République on parle de ZB comprendre Eric Zemmour Bolloré euh, on n'est plus euh, on n'est plus pas plus aimable euh, du côté des proches du capitaine d'industrie. Tous ces gens à l'Elysée, ce n'est pas possible. Il y en a marre de cette né technocratie, de ce système autour du président. Peste en privé, le président du directoire de Vivendi, Arnaud euh, Puyfontaine. J'adore ce, cette né technocratie, alors que les mecs, vous êtes euh, président du directoire de Vivendi, vous êtes Arnaud Puyfontaine, quoi. Genre, vous êtes des gens du peuple, quoi. Niquez-vous. Le boss, euh, lui, place le défi bien au-delà. Macron a perdu le combat civilisationnel, répète-t-il autour de lui. Une machine de guerre médiatique. Rarement un groupe média ne se sera construit aussi vite. Jamais il n'aura été mis aussi rapidement au service d'un dessin politique. En quelques mois, la 14e fortune professionnelle de France, selon Challenge, a bâti un pôle réactionnaire qui s'étend jusqu'à l'édition. Pour la première fois, début novembre, Yannick, deuxième des fils Bolloré, PDG Davas et président du conseil de surveillance Vivendi, euh, trône à la foire du livre euh, de Brive en Corrèze, où il explique que la prochaine prise de contrôle de Hachette par Vivendi, c'est dans l'intérêt de la France. Voloré, Vincent Bolloré a déjà fait euh, de. <laughs> oui, Balto Junior, tout à fait. Oui, c'est un moudin. Et bienvenue à toi. Vincent Bolloré a déjà fait euh, de Lise Boel, éditrice historique d'Eric Zemmour chez Albin Michel, la patronne de plomb, propriété de Vivendi. Mais le fer de lance dans la campagne électorale qui s'annonce s'appelle CNews, cette petite chaîne d'infos en continu à laquelle Vincent Bolloré a voulu donner en 2017 un nom à l'américaine comme Fox News, son modèle outre-Atlantique mis à disposition de Donald Trump. Et des plus ultra du Parti républicain par le puissant milliardaire Robert Murdoch. Il l'a marié avec Europe 1, quasi absorbé euh, en une rentrée avec l'arrivée fracassante de l'actionnaire breton au sein du couple Lagardère en septembre. Vivendi avait alors annoncé une OPA sur ce groupe de médias, propriétaires notamment de Hachette, d'Europe 1, de Paris Match et du journal du dimanche qui devrait aboutir d'ici à la mi-décembre 2022. En un éclair, il a évincé Hervé Gatenot. Euh, de la tête de Paris Match et du JDD et l'a remplacé jusqu'à la présidentielle du moins par deux hommes, par, euh, deux hommes sûrs deux journalistes septuagénaires putain euh, qu'il aimerait voir grossir euh, les rangs des yes-men comme on appelle dans le groupe Bolloré ces cadres à très gros salaires qui ne décident rien sans en référer au patron et exécutent les licenciements à coups de je te comprends mais Vincent veut voilà c'est ouais c'est je ne sais pas si c'est à la fois une bonne idée d'avoir lu ce, cet article, mais en même temps, bah, je pense que c'est nécessaire. Tant qu'à faire, ils auraient dû l'appeler Renard Nouvelle, vu que une, ces programmes donnent une bonne envie de renarder. <laughs> 2022, ça pourrait se retourner si Boulouret se brouille avec Zemmour, qu'on soit d'accord. Alors oui, mais euh, je ne sais pas si ça arrivera. Hein. Un pionnier du buzz. Vincent Bolloré n'ignore rien de leur parcours à 20 ans. Patrick Mahé, euh, militant au sein d'Occident, wow, militant mouvement d'extrême droite dissous en, en 68, comme Michel Calzaroni, le conseiller com de Bolloré qui s'amuse aujourd'hui d'avoir commencé à l'extrême droite de Vincent et de se retrouver à gauche, à sa gauche. <laughs> Longtemps proche de Jean-Marie Le Pen, Mahé est aussi un ancien de Jeune Europe, groupuscule euh, ultranationaliste et anti-américain de faf, disait-on à l'époque, dont l'emblème était la croix celtique. Bon CV. Euh, à Jeune Europe, Patrick euh, croyait, côtoyait l'éditeur Jean Piolec, euh, Picolec, pardon, un autre Breton qui habitait à 20 km du fief familial des Bolloré et auquel Vincent et son oncle Gwenaël euh, Bolloré avaient confié en 1987 leur chère maison des éditions de la Table Ronde avant que Picolec ne publie lui-même dans sa propre maison des auteurs sulfureux comme l'ancien combattant SS belge Léon De Grel c'est ça aussi c'est pour ça aussi que c'est important de lire ce genre de choses parce que euh, c'est quand même on n'en parle pas beaucoup en vrai on on se dit oui ce bon on en fait un peu trop euh, c'est comme ça que ça arrive mais en, en vrai c'est faut, faut vraiment voir ce que ce que ça euh, cache derrière c'est là pour le coup vraiment les mecs il est entouré de vrais nazis euh, littéralement c'est <laughs> et, euh, et voilà et c'est pas parce que t'es plus dans occident que euh, que t as, que voilà t'as pas t'as toujours pas ce ce genre d'idée quoi Bref, euh, sympathique et bon compteur, ami des photographes et toujours à l'affût d'un coup médiatique, Patrick Mahé a déjà travaillé à Paris Match dès 81. Il y a laissé un drôle de souvenir. N'avait-il pas poussé le magazine en 83, acheté pour 400 000 dollars un faux scoop sur les carnets d'Adolf Hitler 35 pages pour des cahiers bidons et une gigantesque campagne d'affichage dans le métro avec pour Parisien avec ce slogan. L'authenticité de notre document est controversée. Achetez, achetez-le, lisez-le, faites-vous-même votre opinion. Ah, c'est ça, c'est souvent le, le, le truc de enfin, le... Le, comment dire ça c'est le le slogan des mecs un peu complotistes quoi c'est vraiment c'est genre on dit du mal de nous et eh ben faites votre opinion enfin, des complotistes ou des, ou des nazis quoi qu'elle littéral, littéralement Patrick Marais, il se hold Carlos zéro un peu le buzz comme on dit désormais plutôt que la vérité c'est à, à peu de choses près et avec euh, près de 35 ans d'avance le slogan imaginé pour la chaîne CNews. Voilà, C News voilà c'est ça que ça me rappelle est-ce que C News a, a, a pris littéralement ce même slogan pour ces news, par BETC, l'agence de, de pub du groupe Avas, dirigée par Yannick Bolloré, bien sûr, c'est en confrontant les opinions qu'on s'en fait une. À 74 ans, Patrick May présente le double avantage de bien connaître Paris Match et son nouveau patron, né à Vannes, dont il est d'ailleurs un des élus à la mairie, il est de longue date juré du prix Bryze, doté depuis plus de 50 ans par la famille Bolloré et qui récompense chaque année un auteur breton, ami ou ami de la Bretagne. Mae est aussi très lié à Arnaud de Puyfontaine, passé par le Figaro, le groupe les Télépoche L'Autojournal et Mondadori Grazia Closer avant de devenir l'homme de Bolloré chez Lagardère. Si Arnaud Lagardère a officiellement organisé le rendez-vous et proposé la direction de, de match à Patrick Mahé, cette décision a reçu auparavant l'agrément du vrai patron Vincent Bolloré lui-même, bien sûr. Faites-vous une votre opinion déjà à l'époque. Ouais, ouais, on a perdu l'argent, mais acheté. <laughs> c'est en martelant des opinions d'extrême droite qu'on impose une... Bah oui, c'est ça, c'est complètement ça. Confrontez des opinions. Mais justement, c'est ça, ça qu'ils veulent faire, c'est faire venir justement des gens... Euh, pas forcément sur leur plateau, mais euh, en tant que, que téléspectateur, euh, pour dire, euh, voilà, c'est une espèce de piège, quoi, tu vois, ils n'ont pas d'opinion divergente, alors ils, ils sont, ils, je pense qu'ils ils invitent quand même de temps en temps des, voilà, des, des gens euh, qui ne sont pas d'accord, on va dire, mais pour mieux peut-être euh, leur mettre la tête euh, sous, sous le talon. Euh, et, euh, mais vraiment, c'est l'idée, c'est vraiment de dire, oh, venez, on a, on a des opinions, et en fait, voilà, c'est crap. Le, le piège se referme et ils font tout pour, pour marteler des opinions euh, quitte à quitte à faire dire à des gens si juste ils leur font dire euh, ah oui ils ont quand même un peu raison tu vois c'est déjà gagné tu vois ça me fait chier de savoir j'ai bossé quelques années dans une boîte à Bolloré Bolloré a beaucoup trop d'actions ouais mais ça tu peux rien hein. même si c'est juste un peu de sous pour lui et puis il ne l'est pas impliqué à tel point qu était, que c'était le fils qu'il aime et le moins qu'il est en charge pardon j'ai un peu mal lu ton message mais j'ai compris ce que tu voulais dire mais euh, ouais Bolloré, c'est Trump Bah oui, complètement. enfin En tout cas, non, c'est pas Trump. C'est euh, euh, Rupert Murdoch. C'est Rupert Murdoch euh, qui, est, qui est un milliardaire américain qui possède un, un empire médiatique et qui pousse euh, voilà, des opinions euh, de, 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 très conservatrices, voire d'extrême droite. Et euh, Vincent Bolloré fait pareil. Trump, c'est plutôt Eric euh, Zemmour, en fait. enfin Trump, c'est Eric Zemmour dans le sens euh, idéologique. Mais il a un peu de Trump aussi, ouais, ça je suis d'accord. La différence c'est qu'il ne se présente pas en politique. Et il se sert d'autres pour, 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 pour imposer ses idées en politique. La, sous la seconde recrue, Jérôme Bellé, euh, désormais à la tête du JDD, appelle Bolloré le cousin. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Euh, sa quatrième épouse, Isabelle Morizet, alias Karen Cheryl. <rire> <Putain>. <rire> serait, aimer rire euh, devant ses collaborateurs, une parente éloignée du premier actionnaire de Vivendi. Putain, le Némrod de Karen Cheryl, là, il m'a fumé, quoi. <laughs> une parente éloignée du premier actionnaire de vivendi, le couple partage d'ailleurs quelques cocktails euh, sur le pont euh, du paloma lorsque du, le yacht du milliardaire il était euh, dans la baie de cannes. c'est aussi le producteur d'Yves c'est bah ouais. c'est ouais, bah, pas, pas étonnant. Hein, l'émission euh, de, de déjà l'arrivée d'ifcalima sur canal et son émission, c'était. Euh, bah, voilà tout explique. tout explique quoi? C'est un tout autre style que Mahé, à 79 ans, euh, engon engoncé dans un éternel blouson de cuir noir. Il est respecté euh, dans les médias euh, depuis qu'il a lancé. Euh, non, j'ai mal lu. On recommence. C'est un tout autre style que Mahé. Point. À 79 ans, engoncé dans un éternel besoin de cœur noir, excusez-moi, euh, il est respecté dans les médias depuis qu'il a lancé la première radio en continu, France Info, participé à la création de LCI et produit en 2000, C'est dans l'air, l'une des émissions quotidiennes les plus regardées du service public. Son retour sonne comme une revanche. Lui aussi retrouve à la tête du JDD euh, un poste qu'il avait dû quitter en 2016. Il avait été évincé après une couverture affichant le portrait, pleine page de Marine Le Pen sous le titre Un Français sur trois prêt à voter pour elle, une du 11 octobre 2015. Euh, à l'époque. Pardon. À l'époque, elle avait choqué euh, la rédaction et le propriétaire du titre, Arnaud Lacarter. Une complicité inédite entre Zemmour et Bolloré. La véritable arme de Vincent Bolloré dans sa bataille politique a été était elle aussi journaliste, Eric Zemmour condamné pour provocation à la discrimination raciale et pour provocation à la haine envers les musulmans, euh, défenseur de la peine de mort et du pétain de la collaboration adversaire des contre-pouvoirs, de l'Europe et de la constitution de la Ve République, et le phénomène de la campagne présidentielle qui s'annonce. Salut Xarbux, euh, merci, merci à toi et merci euh, pour ton tas de modération. Bonne journée à toi. Euh, avant même d'être candidat, euh, il, en, il en insuffle le rythme, les mots, car oui, on le rappelle, il n'est toujours pas candidat annoncé, euh, les polémiques. Zemmour est une entreprise avec des résultats financiers soutenus par un, des, un groupe de médias anésé l'ancien président François Hollande dans le quotidien italien euh, Corriere della Sera. Le 31 octobre, Trump est passé euh, de la télé-réalité à la Maison-Blanche, mais il était le candidat du Parti républicain, tandis que Zemmour est le candidat d'un groupe audiovisuel. Quand, euh, okay. Quand il aime, Vincent Bolloré a le coup de fil le texto facile. Bolloré et Zemmour déjeunent ensemble près d'une fois par mois et se téléphonent tous les jours. Et c'est comme si ces news s'étaient mises à la disposition du presque candidat. Il faut dire que depuis l'arrivée du journaliste d'extrême droite en, 2000, en octobre 2019, la chaîne d'opinion a triplé ses audiences, talonnant BFM TV et distançant LCI et France Info. Entre le breton catholique euh, et le juif pied noir d'Algérie, s'est tissé une complicité inédite dont la droite classique a fini par s'émouvoir. En septembre, la candidate à la primaire du Parti Républicain, Valérie Pécresse, s'en inquiète d'ailleurs directement devant Vincent Bolloré. Elle connaît industriel depuis longtemps. En 2007, le père de l'ancienne ministre, professeur reconnu de l'Université Paris-Dauphine, Dominique Roux, avait été nommé président de Bolloré Télécom. Soutenir la candidature Zemmour serait une impasse, insiste-t-elle. Justement, je l'ai retiré de l'antenne, répond avec un culot désarmant le propriétaire de CNews. En vérité, dans la perspective de la présidentielle, il a juste dû se soumettre à la décision du CSA. Euh, de décompter le temps de parole du chroniqueur de Face à l'info contraignant Zemmour au départ. Marine Le Pen s'indigne. Qu'importe que le polémiste euh, soit présent ou pas, son nom est partout, dans la, dans la bouche des invités, sous les questions posées ou les titres des débats. Les autres candidats n'intéressent personne, justifie Pascal Pro sur son propre plateau, l'heure des pros. Ses thèses nourrissent chaque jour davantage l'antenne. Le, le 19 octobre, Jean-Marc Morandini questionne le père d'une des victimes du, du Bataclan. Patrick Jardin, vous n'avez pas à des actes violents contre les musulmans lui demande-t-il, tout à traque Salut Vincentin, euh, Mediapart révèle ce matin que Bolloré s'engage dans des négociations pour croquer le Figaro. Oh putain, waouh, ce qui à la fois m'étonne pas, mais en même temps, euh, pff, bref. <laughs> Et bienvenue à toi, bienvenue à toi pour, ce, pour, pour ta première fois ici. Le 10 novembre, dans l'heure des pros 2, car oui, il y a une, une deuxième partie, le journaliste polémiste du Figaro, Yvan Rufol, euh, s'interroge tout haut est-ce qu'on doit tirer ou non euh, sur les migrants à la frontière biélorusse C'est une vraie question. Waouh et, et que dire de ces bandeaux qui parient sur un second tour Marine Le Pen, Éric Zemmour, en brandissant des enquêtes biaisées, au point que CNews a été rappelé à l'ordre par la commission des sondages. Le, de, le ministre de l'économie Bruno Le Maire en reste stupéfait le 18 octobre, alors qu'il réfute le déclinisme de Zemmour devant l'intervieweuse star d'Europe 1 Sonia Mabrouk. Celle-ci le coupe. Vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic qui est posé par Éric Zemmour Vous ne voulez pas voir la réalité alors Cette revue média est une spirale d'angoisse sans fond, certes, mais je pense que c'est quand même nécessaire de le savoir. Zemmour par-ci, Zemmour par-là, poussé à la porte, le polémiste revient par la fenêtre. C'est tellement voyant que le 29 octobre, invité de Laurence Ferrari sur CNews, Marine Le Pen décide de protester. Marine Le Pen décide de protester, vous vous rendez compte on en, est, on en est là qui aurait imaginé par Essen il y a quelques années, en marge de l'émission, la patronne du Rassemblement national réclame voir le patron de CNews pour s'indigner Elle n'a jamais rencontré Vincent Bolloré et veut faire savoir son indignation à la digne direction de la chaîne, les chiffres du CSA sont formels et ne disposent pas du même temps d'antenne digne du même traitement que le journaliste du Figaro, en retrait du quotidien depuis septembre officiellement pour la promotion de ce livre. La direction ne veut rien entendre et lui tourne les talons, dire qu'en septembre 2020, lors d'un déjeuner avec le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, et la directrice de la rédaction, euh, c'est une pigale, Marine Le Pen, euh, les avait menacés de se passer de BFM où elle se, elle se trouvait maltraitée. On ira sur News et ce sera très bien. La, vérité, la réalité, mais quoi, tout est inventé par News. <laughs> bah oui, mais bon, que veux-tu Quand les mecs euh, sont là justement pour, pour être une machine de guerre et, euh, et marteler un truc jusqu'à jusqu intégrer ça dans, dans la tête des gens. Qu'importe que ce soit vrai ou faux, le, leur, leur truc c'est de, de, de l'imposer dans le, dans le débat. J'ai envie de... Euh... Attends la découverte de la meuf, la meuf de Vincent Bolloré. Non, garde-toi garde la surprise, Coralie. Enfin, j'ai envie de googler en même temps. Je veux m'insurger en même temps que toutes quand on va le découvrir. Deux jours plus tard, le 31 octobre, un nouveau pas symbolique est franchi. Le directeur général de CNews, Serge Nedjar, valide la présence de Renaud Camus sur sa chaîne malgré de vifs débats internes. On reconnaît l'éditorialiste Yvan Rioufol à l'origine de l'invitation dans son rendez-vous hebdomadaire sur CNews. Les points sur les i. La seule ligne éditoriale que je respecte, c'est celle du patron. Se dit souvent Nedjar, ce surnommé sous cap le général Tapioca, le cruel dictateur de Tintin, au sein de la rédaction. Le promoteur du grand emplacement déroule donc 20 minutes durant et avec l'approbation la, de, de, de Rioufol, c'est Terroriste et complotiste qui a notamment inspiré en 2019 le terroriste responsable de l'attentat qui a fait 51 morts et 49 blessés à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Le flou politique de Bolloré. Ça fonctionne tellement, euh, ma tante avocate à la retraite n'a fait que ressortir mot pour mot les tirs de pro, j'en peux plus. Mais ouais, c'est ça. C'est euh, d'y aller petit à petit et de faire en sorte que, euh, que des gens. Euh, voilà, genre le, le, tout le, tout le battage autour de, voilà, des woke et tout ça, ça, ça y participe. Il hein. n'y euh, a, a qu'un seul but, c'est ça. Hein. Ils sont nombreux à observer la mu de Vincent Bolloré, mais rares sont ceux à avoir compris le raid politique et idéologique qu'il a lancé. Il faut dire que le capitaine d'industrie a toujours entretenu le flou sur ses convictions politiques. Personne n'ignore qu'il qu est euh, un homme de droite ou que sa figure tutélaire reste... Son oncle Gwenaël Bolloré débarquait à 19 ans le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie avec le commandant Kieffer. Avec le commando Kieffer, pardon. Kieffer, je ne sais pas comment on dit. Euh, plus que son propre père, Michel, le héros Gwenaël et sa référence, patron des éditions de la Table Ronde, lecteur passionné et éditeur des Hussards Antoine Blondin, Roger Nimier et cette petite bande d'écrivains désenchantés. De l'après-seconde guerre mondiale, l'oncle était aussi partisan de l'Algérie française et de l'OAS, dont il a publié bon nombre de soutiens de Jean-Baptiste Thierry, l'organisateur de l'attentat contre De Gaulle au Petit Clamart en 62, à Jean-Louis Tixier, Vignancourt, l'ancien compagnon de route de Jean-Marie Le Pen. Euh, donc voilà, c'est son oncle Gwenaël Bolloré, figure de modèle pour entrepreneur. On remercie au passage le PS qui hier, en 2002 a trahi sa promesse d'interdire à un groupe de posséder plus de 25% de médias sous prétexte que ça allait faire venir tous les investisseurs étrangers qui valait mieux que ça appartienne à des groupes 100% français. On voit le résultat, bah ouais tu m'étonnes. Dans les dîners, Vincent Bolloré déroule euh, C'est bien en tout cas que vous ayez que j'ai des gens dans mon chat qui ont euh, qui une bonne connaissance de, de ces histoires et de ces affaires. Euh, ça, me permet, euh, ça me permet déjà moi de les apprendre et de, de m'en rappeler quand j'ai oublié et euh, d'avoir des compléments assez, assez intéressants. Donc merci à vous. Euh, dans les dîners, Vincent Bolloré déroule avec force, anecdote et un brin d'autorisation calculé, la glorieuse légende familiale née au sein de la manufacture à papier créée en 19... 1880... 1822. Pardon, sur les bords de l'OD il a confié euh, le soin d'en écrire l'histoire officielle à l'ami Jean Bottorel, un ancien auto autonomiste du Front de libération de la Bretagne. La famille Bolloré raconte Jean -Pi Picolec avait payé l'avocat que Jean... Euh... Jean est allé en prison, pardon, après avoir tenté en 69 de voler des armes et des explosifs dans une caserne. Trois fois rien. Mais de politique, il, parle pas, il ne parle pas. Il a toujours imposé ses collaborateurs, à ses collaborateurs, à sa famille, on n'ose dire ses amis, personne ne se risquerait à revendiquer ce titre. Cette même atmosphère superficielle où chacun doit de multiplier les anecdotes, les blagues, voire lancer un tube de variété française repris en cœur par la tablée, évitant ainsi à Vincent de livrer la moindre confidence. Longtemps, la droite l'a cru classiquement libérale, comme la plupart des patrons du CAC 40. Euh, au milieu des années 80, il passait pour proche de la bande Aléo. C'est ministre du sillage de François Léotard, Alain Madelin et de Novelli. Euh, Alain Madelin, dont on te rappelle qu'il qui faisait partie d'Occident, je crois, il me semble aussi. Euh, donc ce même groupe oscule d'extrême droite. Philippe Devilliers et Gérard Longuet, censés ré régénérer le logiciel idéologique de la droite. Dans les années 90, il a porté son Nobel de 100 000 francs tout de même. Euh, J'avais converti en euros, mais je, je suis très nul en calcul mental vous le ferez vous-même je suis désolé euh, au cercle d'industrie euh, du socialiste dominique Troscan, membre du club des trente un cercle de patrons bretons il pouvait s'embarquer sur la croisière des libertés avec michel édouard leclerc l'autre figure dirigeante du finistère pour protester contre le poids de l'état dans l'économie il était européen et restait assez pragmatique pour s'entendre avec la gauche au pouvoir, Mitterrand, Rocard et même la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, lorsqu'il avait cru pouvoir équiper la capitale avec ses autolibes. Sa reprise en main brutale de Canal en 2015, dans le silence assourdissant du milieu du cinéma et du spectacle, l'a convaincu qu'avec de l'argent, on, euh, on fait taire tous les opposants. Qui a haussé euh, la voix lorsque, en février 2019, il est intervenu pour annuler un projet pourtant validé, l'achat de Grâce à Dieu, un film de François Ozon inspiré de l'affaire Prena, ce prêtre reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement des enfants pendant 20 ans. Waouh! Ça c'est ouf ça. 30 000 euros à peu près. Merci Crédit Toaster pour les 200 000 francs de tout à l'heure. Putain, putain, ça c'est ouf ça. Plus fidèle à ses relations qu'à qu la politique, il avait renoncé à soutenir François Fillon en 2017, quoique le candidat prône l'union du libéralisme économique et du conservatisme sociétal, comme l'interdiction de la procréation médicale assistée, l'idéal de Vincent Bolloré. C'est qu'il ne euh, voulait pas déplaire à Nicolas Sarkozy, cet ami auquel il a prêté son yacht au lendemain de son élection euh, en 2017 et qui a, lui a remis la Légion d'honneur deux ans plus tard. Ah voilà, le néoféminisme et le wokisme l'exaspèrent. On y vient. On y vient, on y vient. Depuis deux ou trois ans, ses proches ont noté un changement, une forme d'insatisfaction comme si l'argent et la réussite ne suffisaient plus, confie son ex-beau-frère, son ex Gérard Longuet. Le patron continue de décider de tout dans son groupe. Même les projets de cinéma et de séries produits par Studio Canal lui, sou lui sont soumises pour un primature. Un je ne sais pas comment on dit. Alors, on rappelle, moi, je me rappelle, il y avait un article, je ne sais plus qui, euh, je crois que c'est L'Express. Si je dis pas de bêtises, qui avait fait justement euh, un article euh, quand justement ça commençait euh, à se voir un peu trop euh, l'emprise de Bolloré sur, euh, sur Canal, euh, que, euh, que notamment, enfin euh, voilà, il recevait euh, tous les. Tous les euh, bah, toutes les. Un peu les, les. Certaines figures de Canal, dont Jamel Dobous par exemple, avec qui il s'affichait euh, en photo euh, sans problème. Euh, et euh, Eric Judor, notamment. Il euh, faut savoir que la saison 3 de Platane, bah, c'est du simple fait de Vincent Bolloré. Euh, bah qui voilà, euh, qui a, j'aime beaucoup Eric Judor, mais euh, voilà ça ça m'a un peu, euh, je l'ai un peu en travers et, euh, et voilà là, parce que Canal ne voulait pas une saison 3 de, de, de Platane et euh, je sais pas si euh, Eric Judor en voulait spécialement une, mais en tout cas euh, c'est Vincent Bolloré qui euh, qui l'a validé euh, et qui fait que euh, euh, que euh, on a eu une saison 3 de Platane, que je n'ai pas regardé parce que justement ça ça m'a resté tellement au travers de la gorge que, que j'ai fait euh, non, vraiment je ne prendrai aucun plaisir à regarder ça. Voilà. Euh, et donc euh, voilà, c'est un peu des gens comme ça qui, qui ont des projets sur le feu et, que, et qui n'ont pas de validation et qui ont su et qui se sont dit bah voilà, je j'ai pas de problème à, à aller voir hein, une telle personne pour, pour me le faire valider et qu'on qu puisse, qu puisse le faire. Je savais pas, elle est pas ouf. D'accord, bon, au moins ça me rassure. Mais il a chaque jour besoin de nouvelles distractions. Divorcé depuis plusieurs fois, euh, séparé, Vincent Bolloré s'est plusieurs fois affiché avec la volubile Valérie Hortefeu, l'ex-épouse de Brice Hortefeu, ancien ministre de l'immigration et de l'identité nationale. Putain, de l'identité nationale, rappelez-vous. Ça, ça existé le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, rappelez-vous ça. Il s'inquiète de la maladie et de la mort et semble gagner par un sentiment d'urgence. Lorsque l'homme est plus près du couchant que du levant, il lui vient insidieusement l'envie dérisoire de marquer son passage, écrivait l'oncle Gwen dans ses mémoires. À mesure qu'on qu'approche qu approche son 70e anniversaire à la date fixée pour son départ, il veut peser sur l'avenir politique du pays. Cette passation euh, des pouvoirs à ses fils aura lieu lors du bicentenaire du groupe, le 17 février 2022, lors d'un grand fest dans le fief familial d'Ergué Gabéric, près de Quimper putain Valérie Hortefeux, quoi. après pour Judor ça fait peut-être comme Alex Lutz Lutz voulait arrêter Catherine Yann, pas Bolloré donc Bolloré a dit que s'il arrêtait il, cramait ni... il le cramait niveau ciné-théâtre waouh oh, wow. et du coup comment, comment ça se fait qu'il a réussi à arrêter Catherine Yann euh, si euh... si euh... si comment euh... Si, euh... si justement il, il le menaçait de ça c'est ouf quoi genre il le menace ouvertement et ça et ça et ça et tu vois personne n'intervient quoi alors je vais pas je rejette pas la faute sur Lust parce que lui il y peut rien tu vois et il aimerait bien travailler j'imagine mais euh, attendez quoi un festos de fan <laughs> oui j'adore comment tu réagis la réaction mais oui c'est ce, ce qui semble s'imposer il a fait une saison supplémentaire et Bolloré a produit ses films d'accord <laughs> déprimant cet été il s'est mis en tête de financer un think tank euh, comme, claude comme claude Bébéard, modèle parfait de ma génération a dans le dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs tout juste paru chez plomb désormais propriétaire de vivendi après euh, propriété de vivendi pardon. après avoir passé la main à la tête du groupe axa Bébéard avait euh, fondé l'institut Montaigne, un club de réflexion libérale qui arrive de la droite républicaine. Bolloré voudrait consacrer tra les travaux du sien à la défense de l'identité française, sa dernière obsession. Le playboy s'exaspère du néo-féminisme et de la remise en question du mal traditionnel. Comme beaucoup d'hommes de sa génération, le wokisme, ce concept qui prône la défense de toutes les minorités, l'exaspère. Il juge l'homme blanc menacé par l'idéologie décoloniale. Sa jeunesse s'évapore, il s'est mis à croire à la fameuse guerre de civilisation dont parlent Zemmour et les candidats de LR qui rêvaient d'un appui en ce début de campagne doivent aujourd'hui prendre leur mal en patience. C'est lui les cons de Montaigne, bah ouais. Cet artistique est tout bonnement épuisant, et il reste... Euh... C'est pas fini, hein, c'est loin d'être fini. Hein. Il, reste tout... <laughs> il reste tout ça. Hein. <laughs> Donc, euh... Donc euh, allez prendre... Allez prendre des... Des remontants, des... De, de la nourriture pour vous quinquer, parce que je pense que... On, je pense qu'on va plus 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 ça va plus on va s'enfoncer quoi il faut mettre beaucoup plus de zemmour lorsque le banquier Philippe Villain euh, ça j'adore c'est vraiment genre des banquiers des mecs de de l'OAS de, de fin des fin, de fin, bref au secours euh... Lorsque le banquier Philippe Bilin, qui s'est chargé de récolter des fonds pour la campagne de Xavier Bertrand, sollicite Arnaud de Puyfontaine, une connaissance de 25 ans, le président directeur du, de Vivendi ne lui offre pas un oui franc massif. Je vais demander à Vincent et l'utile prudemment. La réponse ne tarde pas. Vincent pose une condition à toute aide financière. Il faut mettre Beaucoup plus de Zemmour dans la campagne du candidat Bertrand et ne verse rien. Eric Ciotti, le très droitier patron de l'une des plus puissantes fédérations LR, celle des Alpes-Maritimes, rencontre Bollorel dans le sud où il passe l'été. Nous sommes tous les deux préoccupés par la préservation de l'identité française avant ce député. Quelques jours après le rendez-vous, il annonce publiquement qu'il votera Zemmour en cas de duel présidentiel avec Macron. Puis sur CNews, de euh, toute façon, je pense qu'il qu n'y avait pas besoin de ça pour. Euh, pour qu'on pour qu'on qu en soit euh, pour qu'on en soit sûr hein. bonsoir à toi euh, bonjour à toi Pio J'étends ma machine je fais le ménage depuis tout à l'heure plus t'avances, plus j'explose de des trucs dans l'appartement je suis désolé <laughs> Euh, euh, donc bref euh, euh, quelques jours après rendez-vous il annonce publiquement qu'il faudra Zemmour Blabla. Euh, puis appelle sur ses news les soutiens et potentiels électeurs d'Éric Zemmour à adhérer à LR afin de voter pour lui à la primaire de la droite Avec Valérie Pécresse qui refuse l'union de la droite et de l'extrême droite dont reste tout, tout, tout Éric Zemmour Vincent Bloré rétorque Zemmour ouvre la droite à la droite euh, la porte du deuxième tour à condition qu'elle reprenne ses thèses Excusez-moi, le grand patron en est certain, LR ne l'emportera qu'en adoptant le discours de son polémiste vedette. Même l'ancien négociateur du Brexit, du Brexit, Michel Barnier, invité personnel de Vincent au mariage de ses enfants, se met à rêver d'un bouclier constitutionnel afin de mettre en œuvre un moratoire sur l'immigration sans se soumettre aux droits européens. « La croisade pour l'Occident chrétien de Vincent Bolloré prospère sur un terreau favorable, un foie de charbonnier qui se décline en images pieuses dans son portefeuille. Un saint chrétisme bretonisant, qui balance entre tradition celte et piété mariale. » et dit entre tradition et modernité. Euh, « La devise de la famille est la même depuis 1789, à genoux devant Dieu, debout devant les hommes. Superstitieux, Vincent Bolloré garde à portée de main une statuette de la Vierge Marie et rapporte des bouteilles d'eau bénite de son pèlerinage annuel à Lourdes. Il se vante de se rendre à la messe tous les dimanches, quel que soit l'endroit où il se trouve. Heureusement que j'ai ça avec toutes les conneries que je fais. S'amuse-t-il un jour devant l'ancien producteur artistique des, des guignols de l'info Yves Le Roland, finalement licencié en 2016. Selon la Croix, il prend au pied de la lettre le verset de l'évangile selon Matthieu, Marc et Luc. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à qu un riche d'entrer euh, dans le royaume de Dieu. Ces deux familles, cette fois ardentes, comme dit son ami breton Yves Sabouré, un, arc, un ancien du groupe Lagardère, il la partage avec son frère aîné, avec lequel il est un temps brouillé, Michel, Michel Yves Bolloré, pardon. Cet autre héritier plus discret qui vit entre Londres et Sainte-Maxime dans le Var, vient d'ailleurs de publier 20 ans après le best-seller de ses amis, les jumeaux Bogdanov. <laughs> Dieu la science et preuves Waouh Waouh, waouh euh, le drop des jeux des Bogdanov là putain <laughs> Putain ouais il m'a quoi écrit avec Olivier Bonassiès euh, un livre qui affirme révéler les preuves modernes de l'existence de Dieu euh, deux agences de communication une grosse campagne d'affichage financée par Avas, propriété de Vivendi un dîner à la maison de l'Amérique latine avec projection graphique euh, de graphique de, devant le tout Paris une couverture du Figaro magazine des interviews sur CNews et Europe 1 le livre de Michel Yves Bolloré publié aux éditions Guy Daniel maison versée dans l'ésotérisme a, et, et, a déjà été tiré à plus de 100 000 exemplaires je suis épuisé je sais pas vous je <laughs> suis wow je suis épuisé déjà rien qu'à lire parce que c'est long et, euh, et moralement. <laughs> euh, bref. Désolé, du coup, j'ai un peu de mal à vous le dire, mais euh, voilà, c'est beaucoup trop d'infos. Euh... Plus Benoît XVI que François. Bien plus qu'une éthique personnelle, la religion est un cadre moral nécessaire aux yeux de Bolloré. Pour lui, la seule limite à la liberté d'expression, cet étendard brandi par CNews pour justifier tous les propos, même passibles de condamnation, est le blasphème. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de messages comme celui de Mila, qui est insupportable, de dessins comme ceux de Charlie Hebdo qui mettent mine de rien de lui sur le feu Interroge Cyril Hanouna, dans touche pas à mon poste, je n'ai pas envie qu'on se moque des croyances, c'est quelque chose d'intime, avait déjà expliqué Bolloré à Yves Le Roland en 2016, quelques mois après les attentats islamistes. Avant cette en garde le nouveau patron de canal plus avait tenté de faire disparaître la marionnette du pape waouh ça je savais pas ça François à Rome n'est pourtant pas euh, sa tasse de thé à la défense des migrants et de l'accueil des homosexuels dans l'Église. Il, il préférait la théologie classique de son prédécesseur Benoît XVI, euh, dont la démission précipitée ne lui a pas permis d'offrir au Vatican une voiture électrique comme il en rêvait. C'est sûr que je préférerais que Vincent soit pape plutôt que François, Philippe de Villiers, qui manifeste à l'égard de l'industriel une sympathie active et a rejoint avec entrain plomb et l'orbite de Vivendi. Vivendi qui, ah, ça explique le, le bouquin de, de Villiers, d'accord. Vivendi, euh, qui par l'intermédiaire du diffuseur Interforum Editis, distribue avec le, RIC le livre d'Eric Zemmour, notre ami commun euh, dit Villiers. Sa petite paroisse tradie est très politique. Vincent Bolloré choisit ses références ecclésiastiques loin de tout diocèse, tricotant euh, depuis 35 ans une paroisse miniature, une petite équipe tradie à sa main qui joue par le biais des médias un rôle très politique. Et on, et on rappelle que Guillaume Meurice, je crois, je ne sais plus. Euh, si c'est lui ou Pierre-Emmanuel Barré, c'est Barré de Canal. C'est Pierre-Emmanuel Barré, je crois, qui a été sur Canal. En janvier 2015, parce qu'on lui avait interdit de passer un dessin de charme. Il me semble que c'était Pierre-Emmanuel Barré qui était sur, euh, sur Canal. Je ne sais où. Dimanche 25 juillet, pardon, mail près de Fouenant dans le Finistère. Une barge en aluminium. Euh, relie la cale de la station balnéaire au pied de la maison de vacances familiale de, à l'île du Loc juste en face euh, les invités n'ont pas à ôter leurs chaussures ni même à relever leur soutane le bateau dispose d'une plateforme qui permet de, gliche, de glisser jusqu'au sable Vincent Bolloré a embarqué plusieurs hommes d'église pour dire la messe euh, de 11h sur la plus grande île de, de l'archipel des Glénans propriété de la famille depuis 1924 eau turquoise sable blanc odeur de varec et de fleurs mouillées résumé la, la sœur de Vincent Bolloré Laurence euh, Le Roux trop de name dropping dans cet article, enfin c'est nécessaire mais euh, c'est difficile du coup à lire, dans son roman Cap Coast Blues, publié à la table ronde. Donc le mec a quand même une île à lui tout seul. Hein. Voilà. Parmi eux, Guillaume Séguin, un prêtre du diocèse de Paris, ancien aumônier des écoles privées parisiennes Stanislas, et Saint Jean de Passy, aujourd'hui simple aumônier de l'hôpital Cochin, mais qui dîne régulièrement avec le capitaine d'industrie et est l'un de ses référents catholiques. Bolloré est un homme conscient de son héritage chrétien, explique Guillaume Séguin, inquiet du déclin de l'Église et que j'ai toujours vu s'interroger sur son salut. Ils se sont rencontrés il y a une quinzaine d'années à la sortie de la messe de Notre-Dame-de-Grâce de Passy au cœur du 16e arrondissement. Barret a fait France Inter, euh, mais il a été viré, enfin poussé par la sortie par Nagui. <laughs> On y revient toujours. C'est bien Guillaume Maurice. Euh... Ah, d'accord, ok. Il n'a fait qu'une seule chronique, ok. Ah, ok, c'est Guillaume Maurice. Je pensais que c'était euh, Pierre-Emmanuel Barret. Je ne je sais, sais pas pourquoi je le voyais, euh, je le voyais plus sur Canal. L'abbé Séguin euh, est l'un des trois ecclésiastiques à l'origine du Padré Blog, tout à la fois site, chaîne YouTube, producteur de podcast, une petite équipe de cathos née à Versailles, numériquement euh, branchée, mais aux idées tradies que Vincent Belloré connaît depuis longtemps. Il y a une dizaine d'années déjà, euh, il nous avait aidé avec un chèque pour le championnat de France de karting des prêtres. Improbable, raconte l'abbé Pierre Amar. Donc voilà, Hervé Grosjean, euh, Pierre Amar et Guillaume Séguin, les trois hommes de l'église, à l'origine du Padre Blog ici à Versailles, en juin 2011. Plus récemment, Vincent Bolloré a accepté d'animer pour le Père Séguin une conférence destinée aux anciens élèves de, des prépas de Saint-Jean de Passy. Thème être un patron, avoir la foi. Sacré défi pour ce milliardaire si redouté en affaires que son ancien mentor, le parrain du capitalisme français Antoine Bernheim, qualifiait la, à, à, la à la fin de sa vie d'amoral. Vous vous rendez compte <laughs> Un grand patron du CAC 40 le, le qualifie d'amoral quoi. Qu Qu'est-ce mon chat Oui, viens nous reconforter, t'es où Je t'ai entendu, je sais que t'es là. J'attends. Attendez. Poli, t'es où Je t'entends, mais je te vois pas. poli viens mon chat. Viens. Oui, je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas. Allez on finit Polly est devenue invisible Non elle est juste derrière <laughs> Juste derrière on la voit Je crois je sais pas si on la voit oh, Non on la voit pas l'écran euh... J'en étais où Parce que plus on fait traîner Et plus, euh... <laughs> plus c'est horrible hein. Balance pas des bananes Et des carapaces Mais des et Des écharpes <laughs> Le seul point positif De tout ça C'est que ça me donne grave envie de prendre Un album média Bah ouais oh, C'est cool ça Juste à mon, mon chat. chat Viens, oui mon bébé, viens réconforter tout le monde. On a besoin, on a besoin de, de, de chat. Viens mon chat. Excusez-moi, je fais une petite pause. Hein. Une petite pause avec Polly. qui réclame des gratouilles. On le par terre. Viens mon chat. Viens mon bébé. Coucou. Regardez, elle est là. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Tu veux rester sur le genou Non, tu t'en vas. La pousse polie, ouais, j'avoue, ça, ouf, ça fait du bien. Bon allez, faut finir parce que allez, il reste tout ça. Hein, C'est allez, on y est presque, on y est presque. Euh, France catholique, ça maleine de Proust. Autre missionnaire et agent d'influence de Vincent Bolloré, Emmerich pour B, euh, 49 ans. Euh, les téléspectateurs de C8 et de CNews connaissent bien son visage euh, sérieux, j'allais dire véreux, <laughs> ses petites lunettes rectangulaires et ses idées aussi. Sur le plateau de l'émission religieuse dominicale de la chaîne. Et eh oui, rappelez, rappelons qu'il y a une émission religieuse euh, dans le... sur CNews. Oui, mon chat, bonjour, coucou. Coucou, mon chat. Ça va, mon bébé? Euh, le jeune journaliste accueille peu de laïcs, beaucoup de chasubles et de soutanes, même lorsque l'intervenant est jésuite d'ordinaire en civil. Euh, il commente euh, parfois les messes diffusées en direct comme celle de la Toussaint 2021. Après celle du 15 août 2021, chez le très conservateur évêque de Fréjus euh, dans le Var, monseigneur Dominique Ray, euh, l'homme avait porté sur les fonds euh, baptismaux politiques. Euh, la petite fille de Jean-Marie Le Pen, euh, Marion Maréchal en 2015, en l'invitant à son euh, université d'été catholique de la Sainte-Baume. L'évêque dîne avec Vincent Bolloré, chaque été confit-il. On entend le ronron Error. Mon bébé, boloré. Bah oui, On devrait plus s'occuper de toi que de Vincent Bolloré. Hein. D'accord. Ah attention Marche pas, sur le... Marche pas sur le clavier. Euh... Chacha, attention. Attendez, je vais peut-être vous mettre la polyka, parce que voilà, elle est là. Coucou. Est-ce que mon gars. Un Poli à la tête de 10 s.v.p. À oh, la tête de tout, mon bébé. Ah oh. oh, oui. Allez, finissons-en. Euh, preuve que de la confiance que Bolloré accorde à Emeric Pourbet, il lui a donné la direction de France catholique, un titre racheté en 2018 par le groupe, alors que la diffusion de ce petit hebdomadaire ne dépassait pas quelques milliers d'abonnés pour des pertes de 850 000 euros. D'autres le convoitaient, mais Bolloré s'est battu comme un beau diable pour reprendre ce journal créé en 1924 en réaction au cartel des gauches et qui avait-il qui avait confié à l'époque à ses interlocuteurs traînés sur la table chez ses grands-parents et ses parents en Bretagne il euh, euh, y a Camer bah oui bah oui complètement ça, ça a été réclamé par le peuple synergie et réduction des coûts obligent la rédaction de France Catholique participe désormais à plusieurs émissions de CNews comme ce 31 octobre où à côté d'Yvan Roufiol, euh, une de ses journalistes est restée muette tandis que Renaud Camus déclinait sa théorie xénophobe du grand remplacement Ouh. Le professeur de Bolloré, télé magazine, la ligne éditoriale est semblable et consterne jusqu'aux plus conservateurs avec des catholiques. Le 20 octobre, dans un édito intitulé « Se taire ou parler », Emery B justifie le silence de son journal sur le rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, qui a ébranlé jusqu'au Vatican par des mots qui flirtent avec le complotisme. Quand toutes les ondes tiennent le même discours, qui leur a appris euh, cet hymne à l'unisson ne peut-il y avoir un chef d'orchestre caché à, et à quelle fin Et on revient à ce qu'on a l'article sur euh, sur euh, sur Car 0 tout à l'heure. C'est le même. Euh, C'est incroyable. C'est incroyable. Deux mois plus tôt, le 15 août, C8, autre chaîne du groupe, avait créé la polémique en diffusant après la messe en direct de Lourdes une fiction américaine contre l'avortement produite par des chrétiens évangéliques comme Vincent Bolloré, Emeric pourbé et, et de ceux qui pensent que l'Église est trop fragile pour qu'on les branle à nouveau. Euh, Zemmour le dit crûment dans ses meetings vous détruisez le christianisme, vous aurez l'islam. Euh, le jeune journaliste et le capitaine d'industrie se sont liés par le biais d'un homme discret qui signe ses billets dans le magazine sous le pseudonyme de Defadante euh, Genolini et s'appelle Gabriel Grimaud, le padré, comme euh, ses fidèles surnomment cet abbé sec et dégarni qui n'aura jamais une occasion dans ses sermons de condamner l'avortement. Désolé, hein. désolé pour tout ça, pour tous ces, euh, pour tous ces, euh, cette nouvelle un peu lourde. Le milliardaire lui a confié euh, le foyer Jean Bosco, vaste centre d'hébergement et de prière du quartier d'Auteuil à Paris, qu'il a racheté en 2013 pour 70 millions d'euros aux petites sœurs des pauvres. Purée, c'est le, le cynisme, le cynisme du truc, quoi. Le lieu abrite les bonnes œuvres de l'industriel, comme la fondation euh, de la Deuxième Chance qui aide à la réinsertion. On présente souvent l'abbé Grimaud comme le confesseur de Vincent Bolloré. Il ressemble surtout à un directeur de conscience politique. C'est Gabriel Grimaud qui a présenté au patron le journaliste Guillaume Zeller, ce petit-fils d'un des quatre généraux du Putsch d'Alger, aujourd'hui directeur de projet au sein du groupe. L'industriel l'avait pro propulsé malgré son inexpérience à la tête d'Itélé avant de licencier 70 journalistes et de transformer. Euh la chaîne En C News. Cette fois, Vincent Bolloré tient à présenter Gabriel Grimaud comme un euh, à euh, non. Cette fois, Vincent Bollaret tient à présenter à Gabriel Grimaud, un journaliste juif qui se dit aussi chrétien et veut, comme lui, euh, contrer l'islam. Eric Zemmour. Vous allez m'abandonner dès mon premier dérapage. La rencontre a lieu euh, le 26 juin 2019 à l'Institut Jean Bo Bosco. Euh, l'abbé la, fait visiter les jardins, la chapelle et la petite maison qui abrite la rédaction de France catholique. Comme est, euh, comment était la vie dans l'Algérie de papa demande l'abbé Grimaud, qui est aussi pied noir. Tous deux, Grimaud et Zemmour, s'inscrivent dans la même filière néo-maurassienne qui a fait de la religion le bras armé de la politique. Une complicité est née spontanément d'un combat commun. Raconte le presque candidat dans son dernier ouvrage. Nous nous sommes engagés euh, dans une lutte pour la survie de la France telle que nous la connaissons, loin d'être gagnée vu la férocité de l'ennemi. C'est devant Grimaud, autour du déjeuner servi sur des tables de récup dans leur effectoire, que Bolloré euh, propose aux journalistes d'intervenir tous les soirs sur ses news à la rentrée suivante. Zemmour cite son cher Philippe Muret, Seuls les bien pensants ne dérapent jamais. Vous allez m'abandonner dès mon premier dérapage, dérapage résiste-t-il. Euh, rappelant au capitaine d'industrie qu'il a été viré de tous les médias, RTL, on n'est pas couché sur France 2, où il, travaille, où il a travaillé sauf le Figaro. Éclat de rire de Bolloré. Pense-t-il alors à ses parts d'audience et à ce créneau réact qui, qui fait le succès de news, Ou croit-il sauver la France Joue-t-il sa dernière partie, celle où ses intérêts financiers croisent ses idées profondes Ce jour de 2019, le milliardaire rassure Eric Zemmour Je suis un Breton. Puis avec cette fausse modestie dont il adore jouer, je ne suis pas très intelligent, mais je suis très déterminé. Voilà, 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 c'était très intéressant, mais épuisant. Au secours, au secours. Vraiment, la. La... Le, la présidentielle, je la sens pas. Hein. Permettez-moi à voilà. Allez-y, un... Exp, comment dire, exprimer toute votre... votre rage et votre... Et votre... comment dire... J'ai plus mes mots, là, je, je perds mes mots. Je suis... Le mec prévoit dès le départ de déraper, il a su me dire des horreurs. Bah ouais, non, mais c'est ça. Hein. C'était tellement déprimant, ouais. Mais encore une fois, je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'on faut être haut euh... de courant de ces choses et plutôt que, que de regarder ça. Euh... Euh... On peut avoir un œil critique sans, euh, sans connaître ça. Mais là là encore plus, quoi. J'ai Vraiment, enfin faut voir ce qui se joue, quoi. Il faut voir ce qui est euh, les la petite. Euh, comment dire. Euh... C'est euh, mesquinerie de l'entreprise qu'il qu y a derrière. C'est assez incroyable. Bienvenue à toi, Utskira. Euh, voilà, désolé, j'ai pas, euh, pas vu les gens qui m'ont suivi euh, pendant tout le, le stream. Euh, voilà, merci à Utskira, merci Poloz, merci Whitefangs, merci Capitaine Poivre, merci Glarpin. Euh, merci Lamine Molette, merci Mewa, merci euh, Forever Noob, Damien Mag et Azel... Arzel, pardon. Voilà, J'ai dû oublier de remettre les, euh, les, les, comment dire, les, les. Euh les alertes, j'en perds mes mots, j'en perds mes mots face à tout ça. Écoutez, euh, on va pas débriefer. Je pense que t'as été dit. Je pense que puis euh, avant, avant l'introduction euh, de l'article aussi, on a pas mal discuté de ça. C'est quoi le titre de l'article Il est ouf. Euh, est, ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle. Euh, attends, je remonte, je remonte au haut de la page. Comment Vincent Bolloré mobilise son empire médiatique pour peser sur la présidentielle C'est sur le Monde et c'est un article réservé aux abonnés. Voilà. Euh, si tu es une dame charitable euh, une dame charitable veut bien envoyer le pdf de cet article euh, je l'enverrai bien à mon père histoire qu'il ait des arguments face à ma tante voilà, voilà. n'hésitez pas, voilà, pas à le partager à vous prêter son abonnement euh, je ne sais pas si on, si on, si, euh, on peut avoir ce, cet article en pdf mais en tout cas voilà en tout cas euh, vous pourrez euh, si vous avez raté le début euh, si vous voulez euh, bah, si vous, avez, si vous avez pas d'abonnement au monde vous pourrez relire enfin repasser ce, cet article et sa lecture. Euh, voilà. Merci à toutes et à tous euh, d'avoir été là ce matin. Ça a été très long, ça a été très déprimant, ça a été très fatigant. Mais euh, en tout cas, vous avez tenu le coup. Euh, c'était euh, bravo à vous parce que c'était pas facile. Euh, et euh, je. Euh, voilà. Je vous. Euh... Pardon, désolé. Euh, je vais vous envoyer chez qui Je vais vous envoyer chez Maudit Tiens, voilà Chez, chez Maudit Maudit Qui, euh, qui joue à Animal Crossing Voilà, ça, vous, ça pourra vous détendre euh, Moi, je vous, euh, je vous, euh, je vous remercie d'avoir été là Vous avez été plutôt nombreux et nombreuses euh, Attendez je... Hop, euh, voilà Vous avez été plutôt nombreux et nombreuses Je vous souhaite un bon week-end Il n'y aura pas d'autres streams hein, pendant le week-end Parce que je vais me reposer euh, Pour d'autres streams la semaine prochaine Voilà, plus Tradi, plus plus jeux vidéo. Merci encore à toutes et tous. Bon appétit, bonne fin de week-end et à très bientôt. Ciao, ciao